Fidèle branché de la T4Rev chaîne 48. Bonsoir à tous nos accrochés de la radio Changement FM. Merci à tous les amis qui branchez nous sur Facebook et les amis YouTube qui prennent un petit peu souffri jeudi à et qui peuvent peut-être jouer une émission en direct, mais nous promettons que l'émission ça qu'une pourra réaliser ou capable garder après garder rediffusion après sous chaîne YouTube nous saluer où ces amis ou Raphaël Toussaint et jeudi à là encore nous pourra réaliser une émission spéciale sur le dossier de viol à l'égard de Pasteur Amel Lafleur et n'a gagné comme présentateur mon ami Samuel Auguste, le journaliste Samuel Auguste depuis les États-Unis, et puis comme invité spécial n'a gagné participation de Claude Dieufen qui c'est un journaliste reporter et n'a gagné Maître Davidson Benjamin qui c'est un avocat et puis n'a gagné un extrait de l'émission réalisée sur la T4Rev chaîne 48 avec le pasteur Gamaniel Morival pour certaines précisions. Merci encore d'être là, merci de rester connecté à votre télé, la télé sans frontières du réseau évangélique chaîne 48, et merci à tous nos amis qui sont vraiment des accrochés de la radio Changement FM qui a fêté 13 ans, T4Rev a fêté 13 ans et Radio Changement FM qui a fêté 3 ans d'existence et un ministère de vie et de réconfort et 16 ans d'impact positif. Bonsoir, bonjour ou bien bonsoir, ça va dépendre de qui côté ou obtenir l'émission ça, dans qui l'a obtenir. Donc bienvenue à vous-même dans l'émission spéciale ça, où on connaît tout détail, tout bagaille qu'on doit connaître sous dossier ça, pour l'histoire des journalistes qui répondent présents pour la réalisation de ce grand événement. Et nous comptons pour nous connaître au bout des ondes, ou brancher. Et qui te me dit bonjour à Samuel. Samuel, bienvenue dans l'émission spéciale ça pour jeudi à avec nous. Est-ce que notre frère, notre ami, et notre confrère Samuel Auguste, est-ce qu'il est là? Et les amis ont fait toute manœuvre technique pour nous, pour être capable. Samuel, est-ce que vous là avec nous? Bonjour, bonsoir, Raphaël Toussaint, bonjour, bonsoir à tout le monde qui est connecté. Ok. Ok, nous t'en donnons là. Rébam, bonsoir, là, parce que je vais t'attendre des introductions. Rébam, bonsoir, là, Samuel. Moi là, c'est un plaisir pour moi de participer avec mon ami sur ça. Ok, Samuel Auguste depuis les États-Unis. Moi, ça, tout le monde qui est connecté, tout le monde qui de pas soit chaud. Puis le temps des radios, Changement FM et la télévision, on salue nous, c'est un plaisir pour nous là ensemble. Ok, donc voilà, ou même qui la KO, nous invitons, ou même qui gonz amis, invitez le tout, tendez émission spéciale, ça que l'on a réalisé jeudi à, qui c'est vendredi 11 juin 2021. On a parlé de reportage, on a parlé aussi de questions, on a pas l'aborder avec Maître Benjamin Davidson, qui, au regard de la loi, qu'il est donc à parler vraiment de viol. Et nous ne pouvons pas l'entrer dans l'autre bagaille parce que son émission n'a réalisé pour l'histoire, pour l'avenir. Et c'est à vous-même qui la KO qui pourra être capable de grands bénéficiaires parce que nous sommes certains que c'est la raison pour laquelle que nous arrivons à réaliser l'émission ça. Et puis, nous avons gagné des séries de extraits, des extraits que nous préparons pour vous. Par exemple, nous avons gagné plusieurs pasteurs qui sont même disponibles pour participer. Par exemple, nous avons extrait de l'émission avec pasteur Gamaniel Morival qui était un témoin de dossier Sahara et c'était premier ouvrier dans le ministère là qui était gagné Kaye, etc. dans Meli. Donc, nous avons gagné Moun Kapale, Samuel, mais c'est nous-mêmes, nous là seulement comme intermédiaire et pour bailler au palais, mais en réalité, c'est pas nous-mêmes vrais qui pourraient le parler. Et puis, nous avons gagné Claude Dieufen qui pourra le prendre un petit temps pour faire nous comprendre qui ça qu'on reportage, qu'il est un reportage, répondre à strictes normes que principes journalistiques établis, qu'il est donc à dire vraiment en face d'un reportage professionnel, qu'il est donc capable de dire nous en face d'un autre bagaille qui est orienté d'une manière ou d'une autre. Qui gens ou capables reconnaître et connaître yon vrai reportage, c'est pral avec Claude Dieufen. Et puis, question qui gagne rapport à droit, c'est Maître Davidson
Benjamin qui pourra parler sous ça. Eh bien, Samuel, nous souhaitons déjà bienvenue et c'est pour un bon moment pour le passer ensemble. Voilà, et m'a demandé technicien pour l'État utiliser l'autre méthode pour l'État, Samuel, parce que au talent, il est énorme. Je vais attendre commencer à parler. Moi, encore une fois, salut, courage, chacun qui a écouté et puis qui a capitaine, un petit moment pour nous parler sur ce dossier. Mm-hmm. Et nous profitons l'occasion pour nous prendre un petit temps avant de nous parler, mais je sais que c'est le meilleur moment pour parler, pour discuter, pour faire des entretiens ensemble. Et Napton, nous là, nous en forme, et nous gagnons toute lucidité, nous ne pas fous. Et si nous sommes fous, c'est moi qui l'éduque. Okay. Ok, on a pour observer une courte pause, Napton. Et... Moi salé, découragé, l'aime pas que moun, pour moi confier, moi connais Jésus, li toujours là, pour l'aider moi. Balance, 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 balance. Les Jésus là, tout tristesse salé, dans moi vital, l'esprit m'aider, moi connais Jésus, li toujours là, pour l'aider moi. C'est Jésus seul qui capote. C'est Jésus seul qui capote. Est-ce que je ne fais pas petit ça? Vous songez l'autre abandonné, jeune garçon. Vous songez l'autre abandonné dans ma vie. Amen, amen. C'est Jésus seul qui capote. C'est Jésus seul qui se mourit. C'est Jésus seul. Oh, Dieu bénit qui prend besoin. N'a pas balancé. Oui, l'aime moi c'est le décourage. Parce que Céline, l'aime pas que moi. Pour moi confier, moi connais Jésus. Lui toujours là pour l'aider moi. Amen, amen. Les Jésus là, pour tristesse aller. Non, moi fin calme, l'esprit fini. Moi connais Jésus. Bon Dieu béni, bon Dieu béni, bon Dieu. Aïe, c'est Jésus. C'est Jésus qui capote, c'est Jésus qui capote, me protège. Oui, qui est la carte, c'est la carte. Oh, c'est Jésus qui capote. Laissez-les nous tous, c'est pour vous, qui se courait, c'est Jésus qui nous c'est le Seigneur qu'on répare le monde. Oui, alléluia, si on besoin. Depuis les rivières, bon la foi, il fait de moi l'autre monde. Oui, moi, connais Jésus. Il est toujours là pour l'aider. Aïe, on m'a porté. On m'a porté. Tout besoin de lui. Et lui parler. Aïe, aïe, aïe. Moi, connais Jésus. Il est toujours là. Oui, t'as payé la faute. J'ai pris la faute. C'est Jésus. Voilà, nous sommes de retour. Merci à Samuel Auguste. On a fait tout arrangement pour soyez capable bien sorti. Samuel, comment vous sentiez-vous là pour participer avec nous dans une belle émission ça que nous avons réalisée. Un petit moment, Samuel, on a fait un autre arrangement pour nous capable de recevoir. Puis bien, ok, on a fait un autre arrangement pour nous capable de recevoir, Samuel. Puis bien, ça n'a fait pas un coup de pause encore parce qu'il faut que nous bien recevoir Samuel, il faut le bien passer. Et puis pour ce début, nous l'avons là, c'est pral démarrage d'émission pour même pour pas perdre. Et on a un coup de pause pour nous faire un arrangement ça. Et avec un peu. Alléluia. Pardonnez.
bon Dieu fait. Abandonner ma mère, bonjour. Répétez-le. Abandonner ma mère, Jésus vous énoncé. Et voilà, amis auditeurs, Samuel, m'quoi qu'on en forme, Kounia? Yes, m'baronne, pour nous-mêmes, moi en forme, moi très en forme. Ok. Bah, vos yeux blancs, le fait que ma compétition, il y a pour nous là, matin, pour nous, alors après midi, pardon, pour nous, sans les bandes de kilomètres, on a pas l'émission, pour nous, font-ils parler de tout ce que nous trouvons très important. Et tant qu'on a dit avec vous, en tant que journaliste, nous pas capables de parler de tout ça. Et puis son dossier qui fait intérêt comme journaliste, même si on est journaliste, au bagage spécialité, on est analyste ou quelque chose, mais au cas où on parle quand même de tel dossier. Je me sens bien pour me parler du dossier, je me sens en forme, pas ça. Ok. Melchior, par contre, si ces volumes n'ont augmenté, il y a un garonne qui monte vite. Je vais gérer ça pour moi et pour nous démarrer. En bref, présentation, bien un bref rappel de ça que t'es passé, Samuel, et nous connaît. C'est autour de ce reportage que nous avons réuni là, nous avons réalisé l'émission ça. C'est diffusion de ce reportage de un confrère, Marc Gerson Philistin. Qui vraiment attire l'attention en pile monde, et c'est sous dossier de viol que toute la ville, tout le monde en parle, dossier de viol à l'égard de Pasteur Amel Lafleur, que Pasteur Amel Lafleur avec Ministeli t'a fait sous un mineur de 16 ans. Donc, alors c'est vrai raison, hein? Est-ce que vous-même ou gagné ou on dit bah ou t'as dit avant que nous faisons mieux tendez parce que journaliste a réalisé en fait 3 reportages et non pays sérieux l'ont réalisé 3 reportages, ça veut dire le dossier est important, le dossier est intéressant, n'est-ce pas Samuel? Donc sous qu'a réalisé 3 reportages sous même dossier là, ça veut dire c'est un grand dossier qui mérite l'attention des gens. Allô Samuel? Et là oui. Vous tendez samedi à? Vous tendez moins? Oui, m'tendez très clair. Très clair. Section 5. Ok. Donc, moi dis où? C'est si son média. On met pas les, oui, soit pas les. Mais même d'abord, rappelons que si un média a réalisé 3 reportages sous même dossier A, ça veut dire que c'est un dossier important qui mérite l'attention des gens. Ou d'accord ça? D'accord à 100%. M'ka juste ajouter pour me dire que c'est pas seulement un dossier qui attire l'attention des gens, mais c'est un dossier qui fait partie de l'intérêt public. L'intérêt public. Ça veut dire que les cas toujours attirer l'attention des gens, mais le pas seulement fait intérêt public. Mais il n'y a pas d'intérêt pour tout le monde tendre là. Je dis, il n'y a pas d'intérêt pour tendre là-dedans. Mais en dossier d'accusation de viol sur un mineur, ça, non seulement il attire l'attention des gens, mais il fait partie de l'intérêt public. Ça veut dire que tout le monde qui a un petit monde petit, tout le monde qui a un petit monde 16 ans, tout le monde qui a possédé, qui a mané un petit monde 16 ans, tout le monde naturellement qui a un petit monde passe dans l'ASA, ça veut dire que si on a une équipe qui naturellement a intéressé tout le monde tandis et un dossier qu'on et en plus de ça, un seul journaliste, un seul radio font fait
on partage trois fois son dossier. Moi, sûr, c'est peut-être que Vlélo Pavil, c'est un dossier qui a plus d'importance pour Radio. Mm-hmm. Ok. Donc, et où qu'on est, des parents qui, l'on c'est parent, ou même moi c'est parent, nous comprenons ça, l'a dit là, gain des bagages, l'autre d'il, c'est comme s'il vivait dans le cœur directement. C'est comme si directement, ou senti ça tout chaud, qu'est-ce pour la petite, moi, 16 ans, pour un nègre me fait confiance, violer. Donc, c'est des accusations graves, et comme dit l'autre, si yon pasteur arrivé dans une situation comme ça, et nous sommes certains que la justice t'a supposé traiter dans toute rigueur. Parce que ça, c'est pas vraiment un jouet de dossier d'accusation. Viol sous un petit monde que vous avez entraîné, ou un petit monde que vous avez formé, un petit monde que ou même vous avez aimé s'allier demain. Et puis, pour ou t'a connaît un monde qui t'a violé à l'âge de 16 ans, pas de nègre plume sous dos ou pas pleuver. Pas de monde qui pas fâché. Mais je vous dis, non seulement on a pral pour l'histoire, non seulement diffusé un reportage là pour Zemioka retendre li, et puis nous pral gagner, et nous pral gagner Claude Dieufène qui pral faire nous connaître qu'il est vraiment un reportage li répondre à toute nomio, qui ça qui dit qui pas vrai, qui ça qui mérite analyse, ça c'est pas nous même qui pral connaître, mais nous pral mettre fait au devant auditeur yo ak téléspectateur yo, et yo même yo pral bien analyser, bien tendre. Et c'est à partir de ça, vous pouvez le dire, même avec jugement que vous gagnez, parce que tout le monde n'est pas fou, vous gagnez un jugement. Si vous n'avez pas un problème psychologique, vous gagnez une capacité que bon Dieu met de la KO, qui c'est l'art de juger, ou cachita pour juger un bagage, pour tendre, ou tendre deux sons, et puis pour juger. D'où l'importance de ce métier, qui est le journalisme, c'est balancer les deux sons de cloche. Et permettre que Mounsa Captandia lui-même est capable de faire une analyse selon lui-même et tirer vraie conclusion. Ça, c'est lui-même qui pourrait le faire. Donc, Samuel, ou prêt pour encore une fois avec plume en main, pour nous attendre, reportage ça que confrère nous fait, et que pour le monde, pour l'histoire, pour nous attendre, non seulement attendre, mais pas avec oreilles que tout le monde attendait, mais en tant que journaliste, pour nous, altical, patical. Ouais, qui ça qui meilleur, qui ça qui bon la donne que nous devons puiser, qui ça tout pas bon, selon métier, selon profession, que nous devons rejeter. Ou prêt, oui, Samuel? Yes, moi prêt, moi disponible. Eh bien, on a les régies, nous gagnons l'aurore, alors Melchior Seyan, qui a fait manœuvre technique pour Radio Changement, et puis Cadet, le réalisateur de cette émission, Junior Calixte, caméraman, et puis nous avons le frère Valérie, pour touche technique, l'autre bagaille. Et nous gagnons plusieurs metteurs en onde. Avec dit, c'est la radio qui bouge et la télé pour permettre que vous capable de joindre une belle émission ça et permettre que vous même tout vous capable de comprendre les grands événements des bagailles qui ont passé dans la société. Qui a plus de bagailles qui ont passé dans la société que vous avez comprendre, que vous avez où est lumière. Mais si un média n'a pas choisi, prend un pile l'autre bagaille qui a factualité dans la société pour parler, il choisit un dossier de viol pour le mettre en évidence. Nous-mêmes dans les médias, Radio Changement FM, Actif FM, chaîne 48, faut que nous fassions lumière sous ça caché en d'un reportage et puis ou même ou attirer conclusion. Et là, prêtez attention, encore une fois, ça a passé sous tous les réseaux sociaux, nous pourrons le faire passer sous Radio Changement pour tendre. Il y a un reportage que journaliste a réalisé sous dossier de viol à l'égard de pasteur Amel Lafleur que lui-même l'y trouvait, qui est très important pour réaliser et que nous-mêmes nous pourrons le faire vivre. Les nous tournés, nous pourrons chita sous lit avec Claude Dieufène qui pourra bien pour l'intervenue sous sacré les reportages. Mais qu'on y a demandé au prêter nous dit attention nous pendant quelques minutes. C'est pour une réalisation de Mac Gerson Philistin qui réalise les reportages ça sous pasteur Amel Lafleur qui, selon ça, l'entendait de yon accusé ou bien yon victime, qui t'a dit que lui-même, les victimes de pasteur Amel Lafleur de viol, et bien nous-mêmes, nous prenons chita jodia, et ou même la caro pour aider à comprendre ça que ou même de comprendre. En nous prêtez attention à reportage ça. 17 février 2017, juge d'instruction, jeudi lien Fanfan, règne ordonnance, qui voyait responsable l'église, aidé pas d'être potétoite, pasteur Amel Lafleur, à Jacques l'église Lé, Jean-Michel Lissin, à le juger devant tribunal criminel sans assistance jury pour détournement, complicité détournement mineur,
suivant agression sexuelle sur une demoiselle qui était 16 l'année dans l'époque là. Avocat Pasteur a fait appel à l'ordonnance là depuis laissé un dossier devant la cour d'appel. C'est vrai, il y a eu un petit problème dans la composition tribunal là. Finalement, c'est mercredi passé, le président de la cour a eu une ordonnance, choisi l'autre composition, qui donc dossier en état, il s'est mérité pour signifier qu'il paye. Qui côté histoire ça a commencé? Qui s'est passé exactement? Nous avons rendez-vous avec présumé victime dans la compagnie avocale dans un espace soudainement. Moi, c'est ancienne victime, pasteur Amel Lafleur. Maman, à papa, m'y était converti en 1997. Alors, si je vous montre ça, ma pièce, maman, je suis rencontré avec pasteur Amel en 2003. D'abord, pour une maman dans l'église, pasteur Amel Lafleur, il faut qu'on fasse ça à Aurélie, cure d'âme. Un document chargé page. Chargé question sur la vie mouna, même soit te qu'on fait dans passé ou, à qui on liste démon, en fonction réponse ou bail pour qu'on ait qui démon qui n'a tête. Maman jeune fille avec papa, te fait dossier ça. Y aller plus loin et de manière détaillée pour qu'on ait qui type de péché que te qu'on fait. Et ça fait là-dedans, y'a te mando que si y'a des démons missionnaires, sous tes grandes volets, faut dire, sous tes grandes volets, et faut dire chaque ton tes grandes volets pour qu'ils soient tes grandes volets, combien fois tes grandes volets, si y'a te bao, action pas bao. Ensuite, sous tes namari, nous nous posons question. Et c'est la date 12 avril 2006, pasteur Junior Rémy, sous l'ordre pasteur Amel, fait cure d'âme pour Minéa à l'époque là. Dans la liste des mots qui n'ont fait là, tout checké pour Tifia. Pas à dire, c'est diable là même qui présente à l'Assemblée. T'as coup, c'était hier. Il n'y a pas bien. Hein. Il a dit que je suis possédé par Julie, Frida, Dambala, Simli. Donc, c'est, mais c'est eux-mêmes. Mm-hmm. C'est eux-mêmes qui ont un propre diagnostic yo, sans que je ne connaisse pas. Est-ce que c'est des démonologues? Est-ce que ce que je ne connais pas qui s'est passé? Et le verdict qui était tombé, c'est qu'il a dit que je suis possédé et que je suis marié, selon le pasteur Rémy, sous le leadership du berger responsable pasteur Amel Lafleur, que j'étais marié avec un homme de couleur rouge. Et que me dépossédé, que me défait, on peut aller. Mais ça reste en quel village? En 2006, je suis né en 90, donc je suis quand même bien 16 ans. Bon Dieu béni, bon Dieu béni, bon Dieu béni, bon Dieu béni. Lundi 12 juin 2006, pasteur Amel Lafleur est exigé par un yo pour venir dans la veille de nuit à Tifia. Campé sous chair, parler en langue, pasteur descend, mettez mes sous minéa, m'a dit pour remettre les timons là, soit même, sinon, j'ai pas mangé. Le pasteur avait venu au fini, il prend la lave, mais puis le matin, je me rappelle, je me suis dit, maman me dit que, oui, pas, c'est qu'on y a, est-ce que ma frère ensemble avec lui? Il dit, non, 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 si lui retourne ensemble avec la frère là, toute délivrance, toute opération, ça peut faire à ce là, on va retourner en flou et à des mois fort. Après veille de nuit, pasteur allait là, Kaili Delma 75 actifia, mettez-le dans une chambre, sans cabane. C'est seulement un sac qui a terre pour le coucher, à qui on bip bon côté, c'est comme ça la prière, pas pasteur après le commencer. Écoutez, m'dé, c'est ton chemin de à l'école. Moi, les vins dans l'autre moment, l'hypothé, il va tomber à la bombe, que c'est cet esprit de Dieu qui révèle, et le film bombard à la bombe avec Godé, et on Godé, Godé, pas Godé, mais non Godé aluminium, mais ça c'est m'ba bien. Amel Lafleur plongé sous Tifi Mounio, t'as mal fini. Comme quoi, c'est bon Dieu qui a délivré en bas des mots. Demoiselle l'a expliqué, il y a eu 10 paroles, c'est avec des mots qui marquent. Et il tombe à parler de la santé de grimace, et puis l'entrée, il est couché, il mettait un couché à terre, quand il me découchait tout à l'heure, il est venu, il est couché, et puis Amel Violina. Il prend un matière comme c'est. Est-ce que c'est lui, soi-disant, dit que c'est bon Dieu qui a délivré le côté de Mia? Ça pas suffit. Dans quelques temps encore, pasteur a rentré dans la chambre à deux autres frères, il dit. Le vétien pas, il vient lever demoiselle là pour Albin, parce qu'Amel, quand elle remet compa elle, Michael lycée, pour continuer de travailler ça. Tant de vie, c'est Amel là, viol Amel là, les Amel, détruit tes noms, nuit là, ça pas cochon, hein. Que pasteur l'église, les yo est jibon. C'est le poussé dans le dos. La GFM, c'est votre passeport j'adore. Coquin passé, passé chaque paguette. Tenant petit chambre dans la couca et Michael, Miné Atapral connaît l'autre péripétie sans pareil. Citoyen ça participe à une battue, violer et puis forcer le relais le pape. Vous venez victime de raconter les papiers, aucune intimité à qui c'est ça. Michael Vini, Michael Bram, même si elle soit sa petite, la frappe est non lui. La frappe est mandat, moi là, moi, pas comme divine pour te secours. Madame Michael, livre les Stani, c'est Stani. M'a pris les Stani, m'a dit, m'a pris les Monica, m'a pris les tout nom qui t'a gagné.
parce que tout le monde était quand même mamie Mika, m'a traité mamie Mika, voté le secours, oh, attendez, aidez-moi. On va petit, ma maman, aidez-moi. Ça, c'est la journée. Mais le soir, les Mikaël rentrent dans la chambre, pas de jambes d'accord. Mikaël tellement bat, moi, les rentrent dans la chambre d'accord pour chasser ma belle. Cracher dans la figuille, comme quoi c'est pour chasser des morts, humiliation, y'a pas de pitié. Si fille a vint tombé enceinte pour Mikaël Lissin qui bat le remède, fait le jeter, c'est ça lui explique. Il y a un moment, il dit que c'est difficile à pile pour lui avoir douleur toute qualité. Vint enceinte, il était venu dire l'église à que, il faut faire 3 mois fermé. Même Amel pas de droit, comme si il vint camper, les Amel vint, Amel par eux, non? Amel par la velle à deux. Donc, il vient faire comprendre que son l'autre gros dimension spirituelle, gros opération qu'a fait, donc l'église va jamais. Mais toute semaine fermée en dedans, alors même si on ne pas sortir, même toi, les condoles sont en dedans, ils ont pas en dedans. Parce que, clairement, pas bien, gros douleur. Bah, il y a docteur. On mettait sous ça, demoiselle l'a fait connaître, Jean-Michel Lissin, qu'on venait à toute madame Nina Tichamna, la main tous deux, Michael Lissin, sans doute, tu as vu fait si créer, il y a petite fille mon après pour aller prêcher l'église. Il y a fait bagaille, moi là, il y a fait bagaille, il y a fait bagaille, moi quand dis non. Oui. Il y a femme là, il y a couché dans mes 2 femmes. Vous avez dit la main qui l'a dit? Oui, j'étais une victime constante. Il reconnaît ça, oui, devant le cabinet de destruction. Jouette, c'est jouette, couchette pas la dalle. Si fille n'a pas de bursette, Amel Lafleur pas quitter Mikaël, monter cher encore. Lui sous sanction. Mais ça n'a pas aucune explication avec l'église. Il y a plus de monde qui apprend si fille a été financée et quitter l'église là pour démissionner ça. Il y a un fidèle au cabinet d'instruction, tu t'as comme témoin, il a même tout expliqué de messieurs ça. Effectivement, maltraité demoiselle là. Pour ça, moi, je suis passé de l'église, mon Dieu, je dis à c'est pour propre volonté, Amel Lafleur a décidé de changer notre fille à Rélé Lpito, Esther. Tout le monde dans l'église là, c'est ça Esther, c'est Esther. C'est 9 mai 2019, demoiselle Lafleur a le sauvé. Mais messieurs, qui semblait qu'il y ait un autre plan, t'as déjà fait l'église connaît, Gomia qui prend le fait, c'est Esther pas plat encore, c'est un petit bébé qui a venu. Faux. Jeune petite fille a sauvé en bas la mort ça. Toute préparation en fait, il y a ces couteaux, il n'y a pas quitté une sortie. Il y a tout le bagage qui vient de venir, nouveau drap, nouveau ceci, nouveau c'est l'autre bord. Et puis, mais dans l'après-midi, on t'a dit pour toute activité campée dans Kaila à 4 heures. Pendant pour toute activité campée dans Kaila à 4 heures, tout le monde a fait ça au game pour le faire avant. Et puis, mais côté moi-même, moi, qu'on a baigné, ok? C'est pas même côté l'autre monde baigné. Parce que je dis, je demande de moi regarder même pour tout le monde. Et puis, pendant que moi-même, mon nom est même bon mal bien. Mais quand même, ça, c'est ton autre monsieur qui était campé avec. Et puis pendant que je suis dans le monsieur, pour vous dire, je vous sauve. Faut que nous disions sur l'information nous disposer dans l'église indépendante Pointe-Étoile, Armel Lafleur dirigé, ou pas jamais t'as des côtés, y'a un petit garçon possédé. Mais plutôt, jeune petite fille. On va t'a dit, ça fait possession ça, lui sexiste. Dans l'église ça, y'a appris une victime, y'a un sentiment pour bourreau, yo. C'est ça, y'a relé, y'a un syndrome Stockholm, qui donc, toute sa chef l'église l'a fait, c'est normal, c'est bon Dieu qui m'a dit ça, en pile une victime, y'a une habitude pour diable. En tout cas, j'ai instruction, je dis lien Fanfan qui t'a instruit dossier ça, t'es jeune, bon j'en preuve. Vous voyez Amel Lafleur avec Jean-Michel Lissin à LJG, Jean-Antique 300, 344, 345, à l'article 278 code pénal modifié par l'article 2 décret 6 juillet 2005, soit agression sexuelle, m'a dit ça. Quoi il est là, il était pour la cour d'appel, t'as des dossiers ça pour connaître si toute bagaille était correcte dans le cabinet d'instruction. On a rappelé demoiselle ça qui était l'école lycée Marie-Jeanne, passé 3 années sans l'école, n'a même démissé ça pour traitement, parce que c'est là où il était possédé, il était qu'on tournait couleuvre et la trier. Alors que, n'a même époque ça, dans l'école l'idée c'est belle note. Collège Ernst Padil t'a continué étudier. Bah y a une attestation qui prouvait demoiselle là tu travailles bien l'école et pas de aucun problème. Pourquoi elle est là, jeune fille ça qui licencie la droite et lauréat deuxième édition concours Mes idées en 180 secondes. Ou même si Armel Lafleur un pile fois dans message lieu rappelé la justice paye, c'est l'agent qui parlait. Demoiselle la Soubopal continue à demander justice. Parce que je n'ai plus rien à perdre. Ça me dégage un peu de l'âme perdue. Perdue 3 ans, perdue honneur, même perdue intégrité, perdue sainteté femme, perdue adolescence moins la caillou. En train d'adolescence moins très mal. Mais heureusement, mon Dieu dans le ciel là, fait jeudi, il y a assez d'hommes pour me combattre. Et m'a combattu jusqu'à ma mort. Alléluia. Aïe aïe aïe. En tout cas, il y a une pile quand tu es jeune fille qui connaît un mauvais moment, bah mais pasteur l'église qui a fait gros pression sur vous pour ne pas dénoncer. Demoiselle Salimène, dit-il pas. Pour la justice punitive,
Daniel, pour la justice Campbell, pour la justice décourager toute l'autre armée là qui a fait ça la paix. Si que nous t'apprenons combien pasteur qui a violé le droit, si nous t'apprenons combien pasteur qui a mangé petit monde mal, si nous t'apprenons combien pasteur qui a défilé foire et petite fille monde dehors ça. Dossier Amel, si Amel la fleur, les juges et les condamnés sont exemples. Elle a découragé un pile bandit. Ma garçon Philistin. Voilà, et Samuel, et m'a obligé d'utiliser l'autre méthode parce que mon dit pas tant de bien. On pas sur l'autre job pour capable. OK. Ou est-ce qu'on bien passé là Samuel? Très bien. OK, là tout le monde passe l'attaque ligne, c'est nous bon là Kounia l'attaque. OK, Samuel ou fin tande reportage réalisé par Marc Gerson Philistin de la Radio Caraïbe, c'était le deuxième avant que le réalisé troisième non? Donc sous dossier ça, c'est Caraïbe FM qui principal comment t'as dit ça sous ce qui fait moun konnen dossier, c'est bien. Parce que c'est ça, c'est World Media. Mais quand on est là, on allait dans l'intérêt qui gagne dans le temps, ça là, nous gagnons trois reportages sur le même dossier. Ça. Et autant des déclarations de demoiselle là, une jeune fille abdio, perdu adolescence moins, et elle prend toute adolescence moins. Donc ça, c'est pas simple bagaille. C'est des gros paroles et que nous-mêmes nous vivons sur nous. Est-ce que vous avez une réaction ou bien on apprend clou d'avant? D'avant, parce que je n'ai pas même Claude parlé, on dit classe de qui ça y a un vrai reportage, qui exigence, qui tout ça a besoin. Je n'ai pas même connu, je n'ai pas même pour tout le monde tendu qui ça y a un reportage, parce que avant nous faire critique là, avant nous porter d'autres choses, on nous quitte de ontologie métier à parler, et puis après ça, on a parlé. Ok, on a les Claude, nous saluer Vini Claude, comme si Claude était avec une émission, on a les Claude, bonsoir Claude, et bienvenue à l'émission spéciale ça, qu'on a réalisé autour de ce dossier concernant accusation de viol contre Pasteur Amel Lafleur, à l'égard de Pasteur Amel Lafleur, jusqu'à présent il nous dit accusation, parce que c'est la justice qui pour dire oui, c'est un viol, oui, pas de viol, oui, mais qui ça, et on reproche Pasteur Amel Lafleur, parce que jusqu'à présent nous a dit accusation. Claude, bienvenue. Bonsoir Raphaël Toussaint, n'a profité occasion pour nous saluer Samuel Auguste, lui-même qui n'est pas en direct ensemble avec nous dans le studio, mais qui est derrière téléphone, qui a participé dans l'émission spéciale ça. N'a profité occasion tout pour nous saluer auditoire Changement FM nan, et n'a saluer tous téléspectateurs et téléspectatrices Tefro Review, puisque nous en duplex pour l'émission spéciale ça. On a les noms. Et selon ou même, connaissant journaliste reporter, et qui ça ou connaît le métier de reportage, et qui ça ou même ou qu'a dit de reportage selon formation qu'ou même ou gagné et qui ou qu'a partagé avec Zamio là. Jacques Oudien, Raphaël Toussaint, un reportage là, tout d'abord c'est un genre journalistique sous forme de récit, eh bien qui est privilégié témoignage direct. Reportage là, c'est ça que et moun nan diyan, c'est ça que et nan lieu hein, pendant que ou t'es présent ou t'as vive eh bien et événement, c'est ça que ou pral rapporter nan reportage là. Et si n'a essayé yon n'a pran yon deuxième définition de reportage là, eh bien c'est yon action côté que ou recueilli ensemble information et d'actualité et d'intérêt documentaire pour capable relater yo directement objectivement que possible. Dans un reportage, tout d'abord c'est et objectivité hein, c'est tout d'abord c'est et c'est pas objectivité hein, mais plutôt c'est et subjectivité hein. Ouais, subjectivité exactement ouais. Et c'est sujet hein, ou essayer prendre pour analyser un paquet de bonnes éléments la donne et puis pour capable présenter et reportage ça. Okay. Et ou capable tout, si nous prenons une troisième définition de reportage là, c'est un ensemble d'informations écrites, enregistrées et photographiées, recueillies par un journaliste sur le lieu même de l'événement. Qui donc, et un reportage, c'est pas seulement l'IPACA seulement écrite, mais ou capable tout un reportage photographié pour les photographes. Ok. Et li capable tout filmer et surtout ou capable tout gagner un reportage audio visuel qui donc pendant que moun attendait la vive tout
la vivre tout des fois c'est plus dans partie télévision. OK. Et dans ça qui concerne nous dans l'émission jeudi là, c'est plus un reportage audio et un reportage audio que l'idéalisé qu'on y a là en entrée dans pratique là. Qui ça appréciation gagné par rapport à reportage ça que confrère journaliste Marc Gerson Philicien réalisé. Avant moi aller dans reportage que confrère nous Marc Gerson Philicien lui-même l'y réalisé et nous pour essayer ouais but yon reportage. OK. Mission c'est pour développer c'est pas pour développer yon problématique mais pour capable porter yon éclairage complémentaire à yon information d'actualité. Mm-hmm. C'est pas pour chercher problème, mais c'est pour capable porter éclairage complémentaire à yon information d'actualité. Nan reportage Marc Gerson Philicien, li dit c'est mercredi qui s'est passé que ordonnance là li sorti qui donc information vienne d'actualité. OK. Kounya là porter éclairage. Kounya nous va laisser regarder qui éclairage Marc Gerson porter nan et reportage ça que li réalisé ensemble avec soi-disant victime ça n'a parlé de Stéphanie Jean-Pierre. Mm-hmm. C'est vrai en pile monde peut-être capable et pas qu'on identité hein, mais jodi an là et nous li a circulé sur toutes les réseaux sociaux il fut être nous capable kembel de manière anonyme mais kounya non li connu. Mm-hmm. OK. Kounya nous pral essayer garder reportage Marc Gerson Philicien. Nan début reportage là Marc Gerson parlait de rencontre li ensemble avec soi-disant victime là ainsi que avocat li dans un restaurant sous Delma. Pendant rencontre ça, demoiselle Lambali plusieurs informations. En tant que journaliste Kounya qui travaille Marc Gerson Philicien lui-même li fait pour li capable vérifier information que li recevoir. Comme journaliste, moi capable de joindre plusieurs informations. Kounya là qui méthode que moi pour utiliser pour me capable ouais information que moi recevoir. Est-ce que vrai? Qui donc si au pas vrai Kounya, moi pral nan impasse côté que m'a diffamé. Toute diffamation c'est code. Kounya là, nous pral essayer ouais quelque angle dans reportage là côté que et Marc Gerson lui-même li essaie aborder comme diffamation. Marc Gerson campé li dit que et dans reportage là Marc Gerson montrer que c'est lui-même même qui a parlé. C'est pas demoiselle là. Si c'est vrai qu'il y a des bandes sonores, il fait tant de demoiselles là, mais il y a une partie dans le reportage là, c'est lui-même, c'est sentiment pâle. Gon feeling, c'est lui-même qui a ajouté, gon insistance, c'est lui-même qui baoule. Oui. Qui pas gagné, ou pas joindre, non, mesdames, non, c'est lui qui baille. On a les noms. Et Marc Gerson a rapporté que dans l'église de Dieu indépendante Porte-Étoile, il y a un document. Pour venir membre l'église là, document ça ou doué passer cure d'âme. Oui, ça, lui-même, c'est normal pour nous pas parler de lui parce que nous pas mieux placé pour ça. Faut que tu aies gagné un responsable qui pour ta responsable et comment t'as dit ça. Nous allons montrer côté mon venir. Il dit dans document ça tout. Démon yo dit d'abord gagné c'est comme si c'est Satan même c'est comme si même c'est diable même qui présente l'assemblée ouais. Est-ce que Marc Gerson li vérifier vraiment vrai ça que dit d'abord dit à travers document ou pas t'a dit c'est diable même qui présente l'assemblée li et gagné un autre point encore dans reportage là demoiselle l'en fait qu'on est que li pas quand même gagné 16 ans pendant que Lydie l'a fait en 1990, il a violé en 2006. Si n'a pas essayé faire calcul là, nous elle bail 16 ans. Dame non, pas connait si c'est pas précipitation, Lydie peut qu'on même gain 16 ans. Comme si soit ou c'est un monde qui a fabriqué un mensonge. Oui, et l'on fait la rapidité, quelques données li passer de lui. Qu'on li vinn fait que li vinn a diffamé. Donc là on fait 90, tout le monde qui... De 90, de 2006, il y a 16. Mm-hmm. Et
si demoiselle ça, madame non, elle bon, à l'époque, elle était demoiselle, elle dit après 22 nuits, hein, pasteur Amel, à la Kaili Delma 75, ensemble avec lui, il mettait dans une chambre sans cabane, sous seulement un sac. C'est ma garçon qui rapportait ça. Mm-hmm. Est-ce que ma garçon lui vérifiait information ça que l'été oui, recevoir de demoiselle oui, est-ce qu'elle lui ouais est-ce qu'elle t'a vérifié que quand pasteur Amel gontique chambre vrai que vous mettez posé de yo est-ce que vérifier quand pasteur Amel combien chambre qui gagne deuxièmement est-ce que pasteur Amel gagne chambre de recevoir guest un petit guest et monde qui est invité deuxièmement est-ce que t'a vérifié soit par monde qui était pasteur Amel la fleur déjà ou bien qui habite près lui est-ce que comment chambre n'était elle dit son petit sac les cartouches sont un petit sac. Est-ce que vérifie naturellement à part de sac là, est-ce qu'il n'y a pas rien qu'on en chambre, est-ce qu'il n'y a pas de caoutchouc, est-ce qu'il n'y a pas de un cabane, est-ce qu'il n'y a pas de autre bagage encore? Est-ce qu'elle vérifie ça? Et emplacement quand elle en tout Samuel, parce que je dis là, est-ce que quand il passe à Mel Lafleur, c'est un cas qui est indépendant, il y a un monde qui soit disant tenté violo, quand même guillon action que ou doit faire. Et même que vous pas fait action en après quelque monde quelque proche ou qu'a partager information ça ensemble avec vous. Alors selon ça le rapporté puisque dans l'âge ça pour qu'on gagne c'est ton adolescent donc ça veut dire ça nous a dit mon n'a pas droit violer adolescent pas carré les monde faut dire ça il n'a pas carré les monde pas carré mais l'autre aspect pour nous toucher dans dossier à tout. Si pasteur Amel met un petit chambre dans qui côté li? Parce que si on a fait un viol, je voulais me comprendre et gain bon sens. Si on a fait un viol, mon a sous non chambre pour contou, mon n'a pas besoin de faire un viol dans une chambre qui close avec l'autre monde là. Exactement. Ça veut dire que mais façon pour mon faire un viol, c'est soit le faire dans chambre ni. Côté le connaît pas aucun autre monde qui se côté ou bien chambre limite là c'est son chambre indépendant lié faut pas gagner aucun autre monde dans cas là faut pas gagner aucun autre monde dans période dans un moment pour faire ça et tandis que selon l'heure parlé il dit que saute dans veille de nuit et pendant saute dans veille de nuit hein c'est après ça viole la fête on en parler veille de nuit en fête. Veille de nuit là, qu'on lague peut-être 5h du matin. Non, 5h du matin. 5h du matin, veille de nuit pour tes toits. Tout le monde compte veille de nuit pour tes toits. C'est 6h ou 5h du matin. 5h du matin. Ok, c'est après veille de nuit, hein, on dit que le violé. Là, qui l'heure des violons là? Si veille de nuit finit dans 5h du matin, le temps passe à mettre la Cali, dans la chambre à changer, ou bien si comment la fell, ou bien si la changer, si comment la pas la madame, la pas la velle. Parce que si mon enfant viol, son mal est planifié. Le temps pour make sure que tout le monde qui était dans la nuit a dormi. Et puis lui-même pour la faire ça. Pour la faire ça. Ça, ça, ça pour s'arrêter en équivoque. À 5h du matin. Est-ce que tout le monde a dormi à 5h du matin? Mais c'est tout le monde dans la nuit. Est-ce qu'on a une culture dormi après 5h du matin? Parce que moi, n'importe toi, lorsque dans la nuit 5h du matin, on n'a pas le temps pour dormir. D'ailleurs, on a toute journée de activité au café ou peut-être pendant la journée. Est-ce que quand il y a là, à 5h du matin, tout le monde a dormi? Si tout le monde a dormi, est-ce que pasteur Amel lui-même dans l'heure ça, est-ce que c'est non chambre à pas qui va avoir aucun monde? Parce que soit violon monde, il y a des gestes, il y a des sons qu'a fait. Exactement. Même si mineur n'a pas trêlé, même si dame n'a pas fait bruit. Mais violon au monde, c'est pour consentement que vous avez au monde. C'est pour mari à madame qui a fait sexe. Et puis, bah, là, bon, pour nous, nous avons choisi de pas faire bruit. Mais viol, c'est son bagage qui fait avec violence. Son bagage qui fait avec fracas. Avec dit qu'il y a bien des bruits, a bien des gestes, a bien des sons qui a fait. Même si c'est pas un gros son. Mais j'aime ça même, les diverses femmes violées là. À 7 heures. Qui compte j'aime ça à payer même? Ok, on a les Claude. On nous continue l'autre fait. Est-ce que non, sens que nous t'avons pris Kyle, les messieurs et parler de maison placement, maison pasteur Amel Lafleur là. Quand même, demoiselle ça, pas quoi que parents le mettaient l'on côté sans que parents pas informé de lui, sans que parents pas gagne accès pour le vinouel. Même que c'est pas tout d'un coup, mais quand même après 1 mois, après 2 mois. Faut que demoiselle ça
t'a partagé information ça, faut t'a informé eh bien un parent de situation que la vive et côté que yo mettez là. Et puis Samuel, c'est vrai nous pas prendre pasteur Gama avant mais pasteur Gamaniel comme ancien bon côté pasteur Amel Lafleur, l'ité ba témoignage ça. Elle dit qu'il était parmi monde qui t'a réalisé plein Kay Pasteur Amel. Est-ce qu'il pas d'abord pour entendre qui ça te dit concernant Kay Pasteur Amel Lafleur? Allô Samuel? Allô Sam? OK, en attendant, mandé régie pour préparer pour nous parce que on connaît dans dernière émission que nous réalisé avec Pasteur Gamaniel, il dit qu'il était parmi équipe qui t'a réalisé plein pour Kay Pasteur Amel Lafleur. Donc il dit me songer si me pas tromper moi on va le vérifier avec bande sonore. Nous dit nous pas pour ajouter rien là, je dis ah. C'est monde qui a parlé. Donc ça veut dire c'est chaque ça qui dit pour nous venir avec un fait et puis ou même faire analyser à côté hier parce que nous croit que bon Dieu bon jugement. Et Pasteur Gamaniel dit que lui-même l'était dans réalisation de plan Kay Pasteur Amel Lafleur, il dit pas grand qu'un côté gonti chambre vrai. Les deux pas grand qu'un côté, les deux dans période là. Bon, en nous t'as bon, même si Samuel parle à Kounia, Samuel a retrouvé nous tout à l'heure. On nous refait contact ensemble avec Samuel. On nous refait contact avec Samuel pour l'annoncer des bandes sonores et extraits de émission ça avec Pasteur Gamaniel, mon rival. Pour t'expliquer comment Kay Pasteur Amel fait, en dedans Kay Pasteur Amel, c'est sûr que le va connaître. Pour t'as dit, dans qui chambre, parce que je connais au bien, parce que je me dis, OK, est-ce que bande l'infini Samuel ou là? Là. OK. Alors nous quand on fait ça, nous t'a fait même si nous pas de nous parce que nous t'vli quand même faire nous t'a dit. Alors pasteur Gamaniel dit fuck m'a demandé pour ta rejoindre avec monteur nous Melchior pour ta joindre côté pasteur Gamaniel a parlé à pour moi bon numéro A. Et puis pour pas parce que Gamaniel t'a bien parlé sous ça lui-même faut que demoiselle t'a dit qui côté tes chambres atelier parce que il était parmi monde qui t'a réalisé plein Kay Pasteur Amel Lafleur et il était parmi monde qui était dans construction Kay Pasteur Amel Lafleur. Donc quand ou attendez demoiselle là moi-même touché mais ému et pas gagné parent sous la terre qu'a attendez yon moun a parlé qui doule perdu adolescence li yon moun varé sous li l'idée tripé ça veut dire c'est première fois la fait sexe dans ville, c'est première fois avec brutalité on a gaspillé vie en adolescent. Dis-moi qui est-ce moun ça pas touché. Oui. Mais ça qu'a fait là, c'est pour ouvrir yeux sur quelques aspects que au même on capa gétant pour eux parce que la justice est une pour tous. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire de même que demoiselle là s'il victime qu'on ça le doit une justice. Mais si pasteur Abel Lafleur a été accusé faussement. Est-ce que c'est devant le prend parce que Mdadel dit pasteur Amel Lafleur fait plusieurs tentatives pour faire arrêter lui, mettre l'en prison. Est-ce que c'est ça qu'il senti que qualité accusation ça yo? Si parce que la justice quand même gain pour le retrancher sous ça. Est-ce que c'est devant le prend? Donc ça nous pas connaît. Mais de toute façon, nous connaît que justice là c'est pour tout le monde a droit, tout le monde a devoir et tout le monde a droit. Donc ça veut dire qui ça? Ça veut dire même moi-même qui a choisi une parole, son monde, même j'aime qui a choisi faire montage, on bagaille son monde, mais forme d'accord tout, monde n'a qu'à prendre recours. Et s'il prend recours, samedi, il n'est pas faux. Samedi, il est faux. Donc qui ça lui-même que justice a lui-même a fait pour lui? Parce que c'est le monde entier qui parle de ce dossier. C'est pas on grain de monde que le dérèle dit ça mais c'est radio le prend ça veut dire son bagage il préparé il connaît que c'est vrai donc nous-mêmes comme journalistes n'attendez Claude est-ce qu'on a l'autre remarque qu'on fait gagne par contre sous dans partie ça côté oui, journaliste l'a dit que dans l'église l'information que il disposait selon information que et c'est avec information ça que partie ça que pour le vini dans reportage là confirme nous fait connaître que selon information que il disposait eh bien ou pas j'aime tant des côtés un jeune garçon possédé. Il dit dans l'église de Dieu indépendante porte étroite, c'est seulement fille qui possédait jeune si monsieur ou pas possédé. Kounya là information ça que journaliste li possédé hein et ça que li dit li disposé hein. Est-ce que le vérifier source là? Est-ce que li vérifier source là? Est-ce que au moins ma garçon t'es venu dans l'église de Dieu et indépendante porte étroite?
pour l'informer ou bien pour le suivre un service, pour l'assister, pour le taouer. Au moins, dans le service, ça, c'est seulement demoiselle qui possédait. Reportage, et parole, sa réponse à Rob Jeunine. Troisième reportage qu'elle réalisait, après une conférence de presse, que les avocats de Pasteur Amel Lafleubay, ils refrappent encore avec un reportage pour dire que, au grand jamais, avocat n'a pas informé parce que l'IT a contacté Pasteur Amel Lafleur. Pasteur Amel Lafleur pas te répondre. Non, il n'a pas dit l'IT. Il dit Radio Caraïbe. Ok, Radio Caraïbe. Radio Caraïbe t'a contacté Pasteur Amel Lafleur, mais c'est par rapport avec conférence de presse que avocat Pasteur Amel a été baillé pour te lumière sous question. Et Magerson dit que Radio Caraïbe t'a contacté Pasteur Amel Lafleur. Pasteur Amel t'a décidé pour ne pas te répondre. Et Pasteur. Claude, il y a une bagaille, d'après moi, pour nous comprendre, qui on se passe dans le dossier. Si on fait un reportage, comme nous avons parlé sur ça, fait balance, son seul monde, journaliste, seulement interviewé, seulement entendu anti-dame, mais pas entendu Pasteur Amel, dans la deuxième interview, même si que vous t'a contacté Pasteur Amel, même si ça sont dit à cet avril ou t'es contacté Pasteur Amel et Pasteur Amel pas voulu parler, t'es supposé répéter ça dans le reportage. Mm-hmm. On fait balance. Yeah. On dit qu'on ça c'est version Stéphanie. On l'autre côté, nous t'es essayé de contacter Pasteur Amel Lafleur, mais pour qu'on te parle, il t'a apprécié l'invitation, hein, mais pas choisi parler. Ça a été supposé dit depuis dans le deuxième reportage. Et ça tel... Pour tout le monde, mm-hmm. pour tout le monde t'étendre, mm-hmm. pour tout le monde comprendre que, ou même en tant que journaliste, tu as fait un travail de balance. Ça veut dire que tu prends chaque monde au côté pour te balancer. Bon, pas de jambes dire rien. Et puis tout, Samuel, c'est tellement vrai. On va regarder troisième reportage d'il y a Claude, et Léo Fine parle, Léo Fine baille. Yo fin bay avocat ou parler et puis yo dit victime là on l'autre côté continue à demander justice, c'est pour arrêter Amel Lafleur, c'est pour ceci, c'est pour cela, li fait des victimes là immédiatement que le fin passé voit avocat. Ouais, avocat, ça veut dire que li fait balance dans lui même dans deuxième reportage, parce que pour voilà. Reportage, il n'y avait pas de balance, il pas même mentionné que le checké que radio a été contacté Pasteur Amel. Et ceci, nous avons dit que... Non, nous avons dit ça. Okay. Mais, naturellement, tout dit que nos reportages, si on accuse, si on victime, ou tout seulement parler de victime, non, ou pas parler des accusés, et surtout, nous avons dit accusé a refusé de parler, faut faire ça qu'on est dans le reportage. Yes. Tout le monde connaît que, ou tu fais de travail, balance, hein, mais c'est accusé à ne pas parler. Et pour l'information et pour l'histoire, et avant même que Claude plie bagage, il y a des bagages, pour l'information et pour l'histoire, le premier reportage réalisé sur la Radio Caraïbe, c'était le 6 novembre 2017. Pasteur Amel Lafleur est rendu dans Radio Caraïbe, j'étais présent. Et comme journaliste, j'ai besoin d'informations, tout, parce que nous pas qu'à venir parler, nous étions présents. Pasteur Amel était allé avec avocat, était gagné Maître Rivner qui était là. 7 novembre, il m'a des droits de réponse, il n'y a pas Lille. 8 novembre 2017, il tournait dans la radio en réponse ou bien en conséquence, ou bien ça n'a pas dit là, est-ce que c'est réponse et, en lieu et place d'une réponse que Yota de Balbaï, eh bien, il recevait un attroupement de journalistes qui a agressé lui, qui a dit hein, on vient faire révoquer. Ou vient faire révoquer confrère nous, etc. Donc, si on parle de yon droit de réponse de 2017 à 2021, et pour information, l'histoire, tout, Claude, nous contacter secrétaire Pasteur Amel Lafleur, et secrétaire Lydie, certainement, le directeur de la Radio Caraïbe FM, écrit ou bien relé pour parler avec Pasteur Amel Lafleur. Il dit Pasteur Amel Lafleur pas disponible. Il dit est-ce que le cas qui tombe ça, il te voulait saluer, etc. Ensuite, l'Elvin joint Pasteur Amel Lafleur, il invite Pasteur Amel Lafleur pour participer dans une émission sous PIA. Pour sous Jean PIA Pralé, qui sa secteur protestant dit, secteur évangélique l'a dit, mais il n'y a pas de chambre de mention de Pasteur Amel Lafleur qui arrivait depuis 2017, où tu demandes une réponse.
ma bonne réponse là je vous dis à venir dans l'émission on a combattu pas de saleté dit selon ça ce critère pasteur Armel Lafleur dis nous deux appels que pasteur Armel Lafleur te recevoir de médias ça qui tirait le vrai pour le participer mais c'est en 2021 c'était le mois de mai en 2021 il y aurait les pour pasteur Armel participer dans une émission sous PIA sous Jean PIA après aller qui ça secteur évangélique l'a dit mais pas de gagner rapport à et réponse que yote vle balbaye sous accusation que yote baye et Stéphanie Jean-Pierre qui c'est victime présumée a qui dit que pasteur Amel ou pas grillé pasteur Amel pour baye en réponse de ça c'était c'est... pour participer à une émission télévisée selon ça ce critère oui Samuel. Deuxième et avant Samuel et réagit deuxième oui on met pas les Samuel tout à l'heure on met pas les Samuel Deuxième, c'est parce que le pasteur Amel, je te dis, pour pasteur Amel, je viens parler de sa fait dossier ou bien réponse été refusée le 6-7 novembre 2017 là. C'est pas accès au développement qu'on y a pour le parler, mais au contraire, la Radio Caraïbe t'est invité pasteur Amel, t'es venu parler de pays et concernant la situation difficile de ce pays. Qui ça en tant que protestant, en tant que chrétien, en tant que secte protestantiste, qui ça nous a dit en ce sens? Et le secrétaire de Pasteur Amel Lafleur a reporté que Pasteur Amel a dit qu'il n'est pas mieux placé pour ça. Pas mieux placé pour parler des choses d'être. Parce qu'on ministère de culte, qu'on président, qu'on directeur de fédération protestante, il y a tout comme ça, il n'est pas mieux placé pour ça. Et ceci, il n'est pas. De ne pas sentir la sécurité pour lui parler au sujet d'un tel dossier, vu avec tout ça le fait, votre lit pas choisi l'autorisation pour le parler. Mais ça, la pour dire encore pour tout le monde, il n'y a pas aucun rapport avec journaliste. Aucun rapport, aucun lien avec dossier, mais avec refus que le 6, 7, 8 novembre pour te répondre à un tel reportage que journaliste a été. T'es fait à l'égard de lui-même. Ok, très bien. Oui, Ndap dit que deuxième reportage que Bagerson Philistin vient ensemble avec lui en ce dossier ça, lui essayait corriger erreur que t'es fait dans m'a parlé de troisième reportage là, puisque t'es dans premier reportage et 2017 et deuxième non c'est et ça récemment côté que c'est seulement Stéphanie que lui fait parler. Il n'a pas essayé de faire équilibre. Là. Troisième, non, c'est par rapport avec avocat. Eh bien, qui t'a organisé. Il a une réponse à avocat. Pour le fond, on rappelle à avocat. Lui-même fait essayer pour tes corrections par rapport avec erreur que tu as fait dans le deuxième reportage. Hein, le fait que c'est seulement Mélissa, Stéphanie, et lui-même qui t'a parlé dans le dossier. Ça. Et pendant la conférence de presse, moi, t'es arrivé. Et moi t'ai essayé faire un petit travail technique, essayer à aborder quelques confrères sous dossier ça. J'ai deux confrères moi t'ai et parler ensemble avec yo. Yo dit erreur que ma garçon fait dans dossier, hein? Yo m'a répété ça et une autre confrère yo t'ai dit erreur que ma garçon Philistin fait dans dossier, hein? C'est que ma garçon Philistin lit pas essayer parler ensemble avec pasteur Amel Lafleur. Même que le connaît dossier en Gekob, ma garçon t'es doué joindre ensemble avec pasteur Amel. Même par couverture. Par couverture pour ta grande couverture. Donc ça Même par courtoisie. Couverture là, je sais ce que je dis Samuel quand je dis couverture. Tu avais dit où t'es que doit. Ok, très bien. Parce que même par couverture, ça veut dire ou t'es que doit qu'on bagaille dans tête tout, mais ou fait partie adversaire parler. Ça veut dire ça droit de réponse, c'est ça on apprend dans profession, les deux sons de cloche et c'est là ça ou qu'a parler de une information équilibrée, une vraie information que monde qui a dit ça est crédible. Entre-temps, nous pas
nous pas analyser ou bien nous pas prononcer sous fait que Stéphanie Jean-Pierre rapportait que le vive, parce que son monde tout le vive en bagaille, il faut respecter ça. Oui. Mais dans ça, la justice, c'est lui-même qui a prôné ça, qui a sorti à nous-mêmes, n'a pas content comme journaliste pour nous informer, public changement, acte faux rêve, mais qui ça qui sorti. Mais n'a parlé en tant que journaliste, de voir un journaliste qui ça l'a supposé. Donc l'autre, je pense que, et nous gagnons l'autre journaliste qui au Canada, lui-même qui fait une émission, c'est Morvan. Qui lui-même parlait en pile bagaille, monsieur dit même il pas choisi d'entrer dans un dossier, ça lui-même il pas connaît, avant d'investir dans un dossier, il prend temps. Ça belle par contre ce combat on t'a ajouté pour t'a propose avant de recevoir et un court extrait de émission Morvan réalisée sous Facebook, sous YouTube qui gagnait. Moi-même, personnellement, je t'ai regardé en bas live, il y a presque 4000 appareils connectés. Oui. Là où 4000 appareils, ce n'est pas 4000 personnes qui ont regardé l'émission. Ça veut dire, quand on a connecté un appareil là, nous disons ça, nous avons regardé non seul appareil. Oui. Ça veut dire 4000 appareils, presque 4000 appareils connectés. Et des bagailles que monsieur Gampil Baye, monsieur dit que nous-mêmes, nous pas qu'à répéter là, parce que nous pas vérifié. Mais dossier qui concernait. Et pasteur Amel Lafleur, dossier de viol sous pasteur Amel Lafleur, nous avons le droit de partager pour nous tendre qui ça. L'autre journaliste gagne de dossier qui appréciation de dossier. Ça, nous pensons l'important. Claude, ou après, tu es dans les coulisses avec nous, parce que émission liée, parce que ça, c'est on aide Nabaya, tout l'autre journaliste. Qui probablement pas contre dossier a, et qui a parlé, vous y montez, vous prenez seul bon. Et Samuel me trouvé ou gon gros douleur. T'as l'air expliqué me douleur. Et gros douleur pas. Gros douleur pas les douleurs. Samuel dit, mais m'tap gade moué. Est-ce que pas t'ap gade ou gon un journaliste qui t'a fait l'équilibre sur un dossier qui penchait en bois? Tout journaliste t'a penché même bois. Et faut nous dire tout. Samuel, dans la conférence de presse que avocat pasteur Amel a fait réaliser, journaliste Mac Gerson Fils était là, il n'a pas posé question, mais il y a un pile journaliste, l'a orienté, nous assister ça, l'a dit, posez ça, posez telle question, dites-le bagaille, monsieur pas parlé, mais derrière, l'a téléguidé plusieurs journalistes. Donc ça, c'est une remarque en tant que journaliste que nous avons fait, nous quoi que souvenir dans une conférence de presse en tant que journaliste, c'est de voir où il y a droit ça. Pour poser question, mais orienter journaliste. D'ailleurs, c'est vous-même qui fait un reportage. C'est vous-même. Vous-même qui fait un reportage. Et si après un reportage, avocat victime, avec avocat accusé a décidé de parler, moi, je crois qu'en tant que journaliste, vous êtes supposé le premier journaliste qui t'a posé question pour recueillir d'énormes informations pour qu'on qui sont le faire après. Oui, mais je vais poser question. Samuel. I don't understand. Je ne sais pas qui ça le fait ça. Anyway. Bon. Je vais commenter sur lui. Je ne sais pas qui ça le fait ça. Même pas celle d'être mieux si lui-même qui te parle. Très bien. Eh bien, merci Claude. Bon, et ma première sur pasteur Raphaël Toussaint. Bon, c'est avant de finir, il y a une remarque que je fais tout. Comme quoi, c'est seulement Radio-Télévision Caraïbe qui prend dossier. Et c'est seulement Mac Gerson Philistin. Récemment, plusieurs autres médias ont parlé de dossier. Hein. C'est par rapport avec invitation qui ont été joints. Bon côté et avocat, pasteur Abelio, ouais. Pour que ils soient capables de rentrer dans le dossier, ils ont classe. Mais après ça, ou plus. Non, ouais. On a anticipé, on a posé. Quittez d'observer en courte pause. Merci à Cadet et toute l'équipe qui a réalisé. Et puis Melchior C1 pour Radio Changement FM. Nous là, n'a pas pause Melchior, pause nous dit. Nous là avec vous pour une réalisation de émission spéciale autour de ce dossier de viol que nous tendez qu'à faire la une. Et pas dans la capitale, mais dans le monde entier. Le monde entier en parle. Et pourquoi pas, t'es Forêt, chaîne 48 et Radio Changement FM. N'a pas un coup de pause, Naptonel. Acte positif. Chaîne 48 et Radio Changement FM, déjà 16 ans d'impact positif. Nous fêtons avec nos 100 000 abonnés sur YouTube et nos milliers de téléspectateurs et auditeurs qui nous regardent partout dans le monde et qui écoutent la radio mondiale sur le web. RadioChangementFM.com.
Vous êtes des accouchés de la radio Changement FM et de la T4F chaîne 48 à l'occasion de notre anniversaire. Vous pouvez, avec votre don, nous donner des ailes pour beaucoup plus d'impact. À partir de $16 américains, ou capoter Radio Changement acte faux rêve, bayon prochain qui sans espoir dans tête monio. Jodi à même, m'a contribué selon Jean Bon Dieu Bénim pour Télépam ak Radio Pamna, rive plus loin et sauver plus d'âmes pour Jésus. Et avec un grand cœur, nous souhaitons à T4F chaîne 48 et Radio Changement FM un joyeux anniversaire. T4F chaîne 48 et Radio Changement FM, déjà 16 ans d'impact positif. Nous fêtons avec nos 100 000 abonnés sur YouTube et nos milliers de téléspectateurs et auditeurs qui nous regardent partout dans le monde et qui écoutent la radio mondiale sur le web. RadioChangementFM.com. Vous êtes des accouchés de la Radio Changement FM et de la T4F chaîne 48 à l'occasion de notre anniversaire. Vous pouvez, avec votre don, nous donner des ailes pour beaucoup plus d'impact. À partir de $16 américains, ou capoter Radio Changement à T4F, bayon prochain qui sans espoir dans tête monio. Jodi à même, m'a contribué selon Jean Bon Dieu Bénim pour Télépam ak Radio Pamna, rive plus loin et sauver plus d'âmes pour Jésus. Et avec un grand cœur, nous souhaitons à T4F chaîne 48 et Radio Changement FM un joyeux anniversaire. T4F chaîne 48 et Radio Changement FM, déjà 16 ans d'impact positif. Nous fêtons avec nos 100 000 abonnés sur YouTube et nos milliers de téléspectateurs et auditeurs qui nous regardent partout dans le monde et qui écoutent la radio mondiale sur le web. RadioChangementFM.com. Vous êtes des accouchés de la Radio Changement FM et de la T4F chaîne 48 à l'occasion de notre anniversaire. Vous pouvez, avec votre don, nous donner des ailes pour beaucoup plus d'impact. À partir de $16 américains, ou capoter Radio Changement à T4F, bayon prochain qui sans espoir dans tête monio. Jodi à même, m'a contribué selon Jean Bon Dieu Bénim pour Télépam ak Radio Pamna, rive plus loin et sauver plus d'âmes pour Jésus. Et avec un grand cœur, nous souhaitons à T4F chaîne 48 et Radio Changement FM un joyeux anniversaire. T4F chaîne 48 et Radio Changement FM, déjà 16 ans d'impact positif. Nous fêtons avec nos 100 000 abonnés sur YouTube et nos milliers de téléspectateurs et auditeurs qui nous regardent partout dans le monde et qui écoutent la radio mondiale sur le web. RadioChangementFM.com. Vous êtes des accouchés de la Radio Changement FM et de la T4F chaîne 48 à l'occasion de notre anniversaire. Vous pouvez, avec votre don, nous donner des ailes pour beaucoup plus d'impact. À partir de $16 américains, ou capoter Radio Changement à T4F, bayon prochain qui sans espoir dans tête monio. Jodi à même, m'a contribué selon Jean Bon Dieu Bénim pour Télépam ak Radio Pamna, rive plus loin et sauver plus d'âmes pour Jésus. Et avec un grand cœur, nous souhaitons à T4F chaîne 48 et Radio Changement FM un joyeux anniversaire. T4F chaîne 48 et Radio Changement FM, déjà 16 ans d'impact positif. Nous fêtons avec nos 100 000 abonnés sur YouTube et nos milliers de téléspectateurs et auditeurs qui nous regardent partout dans le monde et qui écoutent la radio mondiale sur le web. RadioChangementFM.com. Vous êtes des accouchés de la Radio Changement FM et de la T4F chaîne 48 à l'occasion de notre anniversaire. Vous pouvez, avec votre don, nous donner des ailes pour beaucoup plus d'impact. À partir de $16 américains, ou capoter Radio Changement à T4F, bayon prochain qui sans espoir dans tête monio. Jodi à même, m'a contribué selon Jean Bon Dieu Bénim pour Télépam ak Radio Pamna, rive plus loin et sauver plus d'âmes pour Jésus. Et avec un grand cœur, nous souhaitons à T4F chaîne 48 et Radio Changement FM un joyeux anniversaire. T4F chaîne 48 et Radio Changement FM, déjà 16 ans d'impact positif. Nous fêtons avec nos 100 000 abonnés sur YouTube et nos milliers de téléspectateurs et auditeurs qui nous regardent partout dans le monde et qui écoutent la radio mondiale sur le web. RadioChangementFM.com. Vous êtes des accouchés de la Radio Changement FM et de la T4F chaîne 48 à l'occasion de notre anniversaire. Vous pouvez, avec votre don, nous donner des ailes pour beaucoup plus d'impact. À partir de $16 américains,
ou capoté Radio Changement ak te fo rêv, ba yon prochain on ki sans espoir nan tèt moun yo. Jodi a même, m'ap contribué selon Jean Bon Dieu Bénim pour Télépam nan ak Radio Pam nan, rive pi loin et sauver plis nan pou Jésus. Et avec un grand cœur, nous souhaitons à Défaut Rêve, Gen 48 et Radio Changement FM un joyeux anniversaire. Défaut Rêve, Gen 48 et Radio Changement FM, déjà 16 ans d'impact positif. Nous fêtons avec nos 100 000 abonnés sur YouTube et nos milliers de téléspectateurs et auditeurs qui nous regardent partout dans le monde et qui écoutent la radio mondiale sur le web. RadioChangementFM.com. Vous êtes des accouchés de la Radio Changement FM et de la T4F Chaîne 48 à l'occasion de notre anniversaire. Vous pouvez, avec votre don, nous donner des ailes pour beaucoup plus d'impact. À partir de 16 dollars américains, ou capoter Radio Changement avec T4F, Bayon Prochain, qui sans espoir, dans tête monio. Jeudi à même. M'a contribué selon Jean Bon Dieu Bénim pour Télépam nan ak Radio Pam nan, rive pi loin et sauver plis nan pou Jésus. Et avec un grand cœur, nous souhaitons à Défaut Rêve, Gen 48 et Radio Changement FM un joyeux anniversaire. Défaut Rêve, Gen 48 et Radio Changement FM, déjà 16 ans d'impact positif. Nous fêtons avec nos 100 000 abonnés sur YouTube et nos milliers de téléspectateurs et auditeurs qui nous regardent partout dans le monde et qui écoutent la radio mondiale sur le web. RadioChangementFM.com. Vous êtes des accouchés de la Radio Changement FM et de la T4F Chaîne 48 à l'occasion de notre anniversaire. Vous pouvez, avec votre don, nous donner des ailes pour beaucoup plus d'impact. À partir de 16 dollars américains, ou capoter Radio Changement avec T4F, Bayon Prochain, qui sans espoir, dans tête monio. Jodi à même. M'a contribué selon Jean Bon Dieu Bénim pour Télépam nan ak Radio Pam nan, rive pi loin et sauver plis nan pou Jésus. Et avec un grand cœur, nous souhaitons à Défaut Rêve. Voilà, nous sommes de retour. Encore une fois, nous saluons et nous remercions pour précieuses écoutes ou même capteurs des soirées de Changement FM et ou même qui sont Défaut Rêve chaîne 48. Merci parce que vous étiez connectés. Nous avons réalisé une série d'émissions spéciales sur le dossier de viol. À l'égard de Pasteur Amel Lafleur qui a fait la une dans le monde par rapport à trois reportages que Radio Caraïbes FM diffusait. Premier reportage, c'était le 6 novembre 2017. Ensuite, 6 novembre 2017, et dans 2021, il y a deux autres reportages, une et l'autre qui fait sous même dossier ça. Donc c'est un dossier important. Et bien, c'est important pour le monde et pourquoi pas pour nous. À Défaut Rêve chaîne 48 et Radio Changement FM. Samuel, bon retour. Je suis toujours là. Merci à tout le monde. Merci tout le monde qui a écouté. Merci mon petit prend du temps pour ouvrir les yeux, l'esprit, pour comprendre dossier à demander un peu d'analyse, demander des potes équivoques. C'est pas juste parler, tant que c'est mon qui profane. Mais c'est prend du temps pour nous réfléchir ensemble, pour nous discuter. Et puis pour nous tirer des points, des solutions qui sont très importantes. Samuel Auguste, depuis les États-Unis, qui est avec nous là, me rappelez que vous êtes journaliste, webmaster, et qui c'est un professionnel de carrière dans le domaine du journalisme, et où vraiment tu es affecté, où vraiment tu es senti triste. Regardez, ouais, un reportage fait comme ça, et puis tout le monde seulement pour un reportage à plaguer, pas vraiment gagner un journaliste. Qui était prend position. Gagné Monsieur Morvan depuis Canada, qui que nous parlons entendre un extrait de une émission que il animé, c'est Haïti Cotoni ou bien Bad Bravo pour la jeunesse. Radio Arrêt les Bad Bravo pour la jeunesse. Mais émission là, quoi c'est Haïti Cotoni. C'est Haïti Cotoni. Et Monsieur Gampil Bagay l'a dit vraiment, nous pas gagné capacité pour nous dalaguer au sur Radio Roi. Sans vérification, parce que lui-même il gagne sous information le bail là, et c'est là le rôle, le devoir même d'un journaliste, c'est de vérifier ces informations avant de les diffuser. Vérifier sous information yo avant de diffuser. Pas pigan qu'un monde n'y prend tant de monde et pour ou pas faire équilibre et pour laguer. Donc ça pas ou pas journaliste l'ont fait comme ça. Donc pour moi c'est très important. Donc dossier que mon Van Mayen qui concernait émission spéciale ça, qui c'est dossier de viol contre Pasteur Amel Lafleur, ou bien dossier de viol à l'égard de Pasteur Amel Lafleur, qui fait selon accusé à
qui t'a fait, alors on dit selon présumé victime, non, que Pasteur Armel Lafleur t'a fait viol sous lit, qui c'est Stéphanie Jean-Pierre. Eh bien, Morvan gagnait plusieurs dossiers. Je ne sais pas comment monsieur fait jeune baïsaïo, mais d'essayer de bagarre, monsieur a parlé que nous-mêmes, tout nous gagnons dossier. Non, mais nous avons fait information ça aux confiances par rapport à ça, nous gagnons. Mais nous. En nous tendant un extrait de l'émission ça qui était réalisé, ça a quelques jours, ou il y a nous deux jours, sous Radio Bat Bravo pour la jeunesse avec Morvan. En nous tendant. Madame, monsieur, vite commissaire du gouvernement en 2016 là, que dossier anormal, qu'elle est envoyé le juge. Juge l'a fini studio dossier. Juge l'a retourné le commissaire du gouvernement. Et commissaire du gouvernement, ça a été Wesley Paul, 28 juillet 2016, mais ordonnance, monsieur Lagué, athée. Par ces causes et motifs, plaisent à l'honorable magistrat instructeur dire et déclarer les faits de séquestration, exploitation, viol et agression sexuelle reprochés aux inculpés suscités ne sont pas constants. Les renvoyer en conséquence hors des liens de l'inculpation. Fait prévu aux articles 115 du Code d'instruction criminelle. Fait au parquet. Le 28, 7e mois 2016, Wesley Paul, commissaire du gouvernement. Est-ce que nous comprenons bien là? Plainte déposée, le 15 octobre 2014, mesdames, messieurs, le 27 novembre 2014, cabinet d'instruction, auditionné demoiselle là, et puis le 28 juillet, gagnons un réquisitoire définitif qui rentre. Le 28 juillet 2016. Tout ça le dit, c'est son remso de dit là. Pas de matière, pas de preuve, pas de rien nous joindre sous dossier ça après une finesse du dossier. Eh bien, dossier, inculpé ça, moun ça qui inculpé de bagaille et viol ça, eh bien, pas de matière pour nous poursuivre, pas de rien pour faire nous poursuivre d'après article 115 du Code de l'instruction criminelle. Fonoui. Par ses causes et motifs, plaise à l'honorable magistrat instructeur de dire et déclarer les faits de séquestration, exploitation, viol et agression sexuelle reprochés aux inculpés suscités, c'est-à-dire reprochés aux inculpés comme Lafleur et Armel Lafleur et notre monsieur, ne sont pas constants. Pas de preuves, pas de rien, pouvait sans rien de bagaille, il te fait séquestration vraie, il te fait viol, il te fait agression sexuelle. Les envoyer en conséquence le lien de l'inculpation fait prévu aux articles 115 du Code de l'instruction criminelle. Fait au parquet le 28 juillet 2016, Wesley Paul, commissaire du gouvernement, mesdames, messieurs. Est-ce qu'on comprend ça, me dit nous là? Ça veut dire son dossier classé. Eh bien, nous pas contre qui est-ce qui est derrière le dossier. Eh bien, il y a un dossier à venir nommer et un juge qui est le Judilien Fanfan. Et Judilien Fanfan, ça, il n'y a pas de dossier. Pour, malgré si le commissaire du gouvernement, qui c'est avocat société, il place un dossier sans suite, il dit qu'il n'y a pas une preuve, il n'y a pas un élément, pas un bagage qui est constant, qui pouvait qu'il y ait une séquestration, qui pouvait qu'il y ait un viol, qui pouvait qu'il y ait un bagage, ça y est, et bien dossier ça, il n'y a pas de preuve voulue, pas un bagage médical, pas un rien qui pouvait ça, et bien le classe bagage comme ça, comme commissaire du gouvernement, comme avocat et peuple haïtien, comme avocat société, les bagages viol, les bagages qui fait contre société, c'est lui-même qui pourra le plaider, pas l'autre monde qui pourra le plaider, c'est lui qui pourra plaider contre Nexao. Eh bien, si il dit le bagage matériel bagage, qui ça pourra le plaider contre vous? Et lui qui pourra le plaider, mais il dit le bagage, qui ça pourra le plaider? Eh bien, madame, monsieur, juge, je dis lié fanfan. Et il aime faire qu'il va le shooter sous juge Dilier Fofan. Parce que, d'après ça, me joigne tout, son jeune juge, son jeune qui est dans la classe moyenne, son jeune garçon, même s'il rentre là, en 2017, il faut mal chercher exactement qu'il est en 2017 là. On va le chercher.
livrer l'ordonnance 27 février 2017, 28 juillet 2016, réquisitoire définitif commissaire du gouvernement dit que M. Amel pas coupable, il n'y a pas jeune rien qui reproché à Amel qui vérité, eh bien, et quelques temps après, 27 février 2017, eh bien, juge ça lui-même, l'Iran ordonnance lui, il mettait Amel coupable. Est-ce que vous comprenez? L'Iran ordonnance lui, il dit Amel coupable. Et comme c'est le gouvernement même qui c'est avocat société, quel dossier lui-même, il voyait est-il le cabinet d'instruction, il aurait tourné le bali, l'Iran réquisitoire définitif, le 27 juillet 2016, il dit lui-même, il n'y a pas une preuve, il n'y a pas rien. Quelqu'un a reproché Amel, dossier classé. Et puis, 2017, et puis l'autre juge a même, ren, monsieur coupable. Voilà, et nous sommes encore là. Claude qui est toujours sous plateau, même l'on patin de lit avec nous. Et là, nous sommes en toute exclusivité, s'il vous plaît. Les noms de ça, nous n'avons pas gagné un contact journaliste, ça n'a pas gagné un contact lit, mais c'est sous Internet tout mal pendant son émission, Samuel, et puis M. Cap fait classement ça. Et Kouniam, d'après-midi, non seulement pour nous recevoir Maître Benjamin, qui c'est un avocat Benjamin Davidson, lui-même qui pral fonti parler nous de qui ça, qui l'est, nous qu'a parlé de ça aurait comment t'as dit ça, et qu'il est vraiment qui provision la loi bail, ou bien selon qui article, selon qui texte de loi, selon qui provision que nous gagnons et que nous capables dit, selon la loi haïtienne, c'est quoi le viol, sous qui base. Bon, en tout cas, nous gagnons Maître Benjamin, nous saluer où? Bienvenue dans l'émission spéciale, ça. Claude, fais arrangement. Ok. Combien bien? Moi, copio très bien, Maître Benjamin. Dis-nous non. Alors, bon, salut tous auditeurs, auditrices, Radio Changement. Moi, salut en particulier. Moi, content de l'invitation aujourd'hui. Ok. Ok, très bien. Et dis-nous non, qui provision? Alors, nous dit que c'est Maître Benjamin. Est-ce que le patabon bon, t'a fait une petite courte présentation pour nous? Allô? Oui, est-ce que le patabon pour ta fond coup de présentation pour nous, Maître Benjamin? Donc, qui est-ce qui Maître Benjamin font coup de présentation pour nous? Ok. Maître Benjamin Davidson, avocat barreau de Petit Gouave. Nous, c'est avocat militant à barreau de Petit Gouave. Donc, nous avons affilié au prince. Dans le cabinet à justice. Ok. Maître Benjamin Davidson, moi, on semble très jeune, ma gado là sous téléviseur là. Moi, on sont très jeune avocat, hein. Moi, si j'ai gagné mal pour moi. Ok, il n'y a pas gagné un récepteur. Alors, n'a pas le fond arrangement pour le passer directement. Sous bord là, et Claude de mettre connecté, moi-même déconnecté, appareil. Mais en attendant, mon cap gade sous TFOREF Jeune 48, live là, sous Facebook, YouTube, pour regarder, mais Benjamin, c'est un très jeune avocat. Et il y a quelques questions m'a posé là, pour, je ne vais pas le Kimbel, c'est quelques minutes, mais Benjamin Abanoum, qu'on est avocat très coûteuse. On va prendre pile, mais sous à peine brancher, on va suivre une émission spéciale que l'on a réalisée sur le dossier de viol à l'égard de Pasteur Amel. Maître Benjamin, où là? Allô? Est-ce qu'il y en a pour servir un coup de pause pour nous faire liaison avec... Ok, Lila? Ok, Maître Benjamin, bonsoir. Alors, est-ce qu'on t'aime bien, Kounia? Est-ce que... Maître Benjamin, allô? Ok, difficulté technique qui fait que nous pas capables de recevoir
directement mettre Benjamin, mais semblait moins apprendre la relève. Oui, monsieur. Vous savez, et ça me la prendre un petit congé de ou pour un petit moment. Claude Bam prend la relève. Déconnecter moi pour mon cas. Pour mon cas connecter au moins. Ok, mettre Benjamin semblait. Oui. Nous avons laissé les sur WhatsApp. Non, parce que Kounia là, on passait bien. Est-ce qu'on t'en dit moins? Oui, moi passe bien, mais question, on va pas des questions. Non, nous allons recommencer, Fofon. C'est question fortale pour répondre nous. Alors, on devait se connaître, est-ce qu'on t'en dit bien, Kounia? On t'en dit bien, là. Maître Benjamin Davidson, nous dit font coup de présentation de qui est-ce qui Maître Benjamin. Moi, on semble un jeune avocat, hein? Oui, sans jeune avocat. Eh bien, oui. Eh bien allez, font coup de présentation pour nous de qui est-ce qui met Benjamin Davidson. Met Benjamin Davidson, bon, d'abord, pour avocat, il faut qu'on licencie en droit, il faut qu'on inscrit normalement dans un barreau, et barreau à lui-même, bon examen pour le passer, pour son temps de stage. Ok. Donc, nous avons, disons, 4 ans d'expérience au barreau de Petit-Gouave. En tant que militaire. Mm-hmm. Allô? Ça, c'est signal. Oui. Ok, Naptado. Oui, vous t'avez compris très bien là. Très bien. Mm-hmm. Ok. Oui, à part de ça, nous-mêmes, nous sommes également étudiants en management responsable à l'Université Laval. Et c'est tout ça que nous sommes capables d'ajouter. Donc nous-mêmes, nous sommes CPA, nous avons des organisations, moi c'est conseiller et juridique CHDH-7, organisation des droits humains, okay, qui a travaillé dans ce CPA, qui est reconnu normalement par l'État. Merci. Et dis-nous non, qui ça selon la loi haïtienne que nous sommes capables de dire pour nous parler vraiment de viol, ou bien c'est quoi le viol selon la loi haïtienne? Sincèrement, la loi haïtienne malheureusement pas défini question viol. Le droit pénal haïtien traduit, disons, toute atteinte sexuelle commise avec violence ou contrainte. C'est ce genre d'action qu'on considère comme des agressions sexuelles. Et le viol en soi, dans notre lexique juridique, le viol c'est tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit, commis sur une personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise, sans son consentement. D'ailleurs, quand on parle de viol sur mineur, le mineur n'a pas de consentement. C'est-à-dire, tout acte sexuel posé avec un mineur est considéré comme une agression sexuelle, car le mineur n'a pas d'âge pour consentir. Okay. Cependant, par cette définition, le viol exige d'abord une pénétration sexuelle, et quand quelqu'un, ou du moins un mineur, une fille, le plus souvent c'est mesdames qui déclarent, qui parlent de viol, et dans le tribunal, bon côté pas nous, garçon, pas trop répéter ça. Et si on le répéter, ça va le porter plainte pour viol comme garçon. En plus, on va pas rire, alors que il existe. Ok. Léon Moun dépose une plainte pour viol, gagne une pièce maîtresse dans un dossier pour gagner, pour prouver que des viols sont certificat médical. Si toutefois, on va gagner certificat médical, on va le goûter en pile dans le tribunal pour prouver que bien viol. Et n'oubliez, le principe de droit dit tout fait avancer en droit doit être prouvé. Ok. Est-ce que si tu es gagné, dans le cadre, je connais que vous informé de dossier de viol, allez, que Pasteur Amel Lafleur non l'a cité la donne, dans le cas qu'un dossier qui est devant la justice et que. Et tu as gagné un premier, comme carré ça, un premier plaidoirie, ça veut dire que tu as gagné en première séance, tu as été accusé à victime. Non. Est-ce que si pas de gagné un certificat médical, est-ce que victime, non, après des années, l'ICA a le fond certificat médical, il y a toujours la même trace viol là? Dans les cas, il n'y a pas ce là.
dossier ça lui-même pour qu'on complète doit vraiment. OK. Et tu gagné cabinet d'instruction qui t'est fait et moi avec une enquête qui tendait plusieurs parties à tel point et la prétendue victime pasteur Amel et l'autre pasteur. OK. Donc gagné il y a le commissaire, le ministère public, parce que le ministère public est un, représenté par un substitut commissaire, qui a rendu sa réquisitoire, son réquisitoire définitif, ok, il a rendu une réquisition définitive, et ce réquisitoire, sur cette réquisitoire, dans ce réquisitoire, pardon, donc, les chefs ont été rejetés pour manque de preuves, mais il y a le juge d'instruction lui-même qui a rejeté, par exemple, l'exploitation. Il y avait d'exploitation, on avait accusé le pasteur pour d'exploitation, séquestration et viol. Ce sont les trois chefs d'accusation. J'ai le dossier en ma possession. Étant donné que le réquisitoire définitif du parquet, le juge d'instruction n'est pas lié au réquisitoire définitif du parquet. Le juge, malgré que le commissaire a déclaré qu'il n'y a aucune pièce justificative pouvant prouver, ou du moins convaincre le tribunal pour dire qu'il y a lieu de viol, ça c'est du côté du parquet, mais du côté du juge d'instruction, le juge d'instruction trouve qu'il y a assez de déclarations, assez de soupçons pour transférer ce dossier par devant qui de droit pour juger. Et ceci, c'est là que la défense, le conseil juridique de la défense de pasteur Amel a décidé de jeter appel à cette décision. OK. Donc cela veut dire techniquement, selon la profession que ou même Mouladen, qui c'est en tant que maître, en tant qu'avocat qu'on a pu exercer, ça veut dire que ce n'est pas un problème. Juge là, il a un droit, il a plein droit pour lui, tu as rejeté la décision. Oui, le juge n'est pas lié au réquisitoire définitif du parquet, du ministère public. Mais n'oublie pas que le ministère public est un. Et indivisible. Et indivisible, parfait. Le ministère public est un et indivisible. Donc, le ministère public a déjà donné son réquisitoire définitif. Il y a un parquet à la cour d'appel. C'est sûr que le parquet doit suivre ce même chemin en vertu du principe d'indivisibilité. Donc, ce qui veut dire, étant donné que le juge d'instruction n'est pas lié au réquisitoire définitif, étant donné également un dossier qui est au tribunal, le juge, les avocats n'ont rien à voir avec les dits et les non-dits, ceux qui ont été planifiés et autres, les juges et les avocats ont pour devoir de regarder ce que dit la loi. Quels sont les éléments constitutifs pour qu'il y ait séquestration? Quels sont les éléments constitutifs pour qu'il y ait le viol? Donc, pour parler de viol, il y a des éléments constitutifs. Pour parler de séquestration, il y a des éléments constitutifs. Étant donné que le tribunal a déjà rejeté la question de séquestration et la question d'exploitation, maintenant, c'est le viol qui fait le débat, qui fait la une, et ceci, donc, cela revient aux avocats. L'avocat de la victime va prouver qu'il y avait viol, et l'avocat de la défense lui-même va éclaircir le tribunal pour dire de quoi il en est. Merci, Maître Benjamin Davidson, pour quittant ça à côté de nous et Napkito, parce que nous connaissons une pile d'activités. Merci beaucoup. Merci, c'était un plaisir. Voilà, et Samuel, et Maître Davidson Benjamin, qui souhaite participer avec nous là, Samuel, nous comptons t'attendre, Sam. Bien, m'attendez, c'est bien.
J'attends un peu attention, si bien équilibrer les déclarations, les paroles du maître Benjamin. Et puis, il faut dire aussi, Samuel, mettre la doupe pas gagner une possibilité pour Andy Pito. Est-ce que nous avons posé la question ça, monsieur? Je ne sais pas comment nous avons posé la question ça, non? Mais est-ce que il y a une possibilité pour ta. Pourquoi mettre Benjamin Abtadil qui a fait nous part de réponse ça? Est-ce que il y a une possibilité pour un monde fin, un dossier devant la justice, où tu es venu seulement, où tu dit séquestration, exploitation, et puis après un bon temps, où tu ajouter viol là-dedans? Donc est-ce que si dossier ça, depuis le dossier ça, tu es devant. Devant la justice depuis première fois, est-ce que vraiment, si tu as un dossier viol ou un certificat médical, sous gagnel, parce qu'il faut gagnel pour prouver ça, si je dis à Ovin gagnel, pour qui ça, victime n'a pas jamais présenté devant la justice avec certificat médical là, le jour même que l'État fait premier plainte côté fait première déposition pour dire mais qui ça le victime, séquestration, etc. Et selon avocat, on parle avec plusieurs avocats, on dit moi, si tu as une preuve, certificat médical, que Pasteur Amel Lafleur t'es violé Stéphanie Jean-Pierre, et l'étape, et M. Davidson, allô? Oui. Femme dans des lits connectés. Claude, il faut connecter. T'as le maître Davidson. Oui, nous t'as dit que si tu as gagné preuve et tu as tout qu'aimé Pasteur Amel Lafleur avec tout l'autre monde qui te commet action, hein, parce que depuis que tu as certificat médical, dossier de viol sous mineur et babagaye la justice joué avec. Donc après des années, ou venir ou dire ou tourner avec dossier à Kounia ou prêt pour combattre. Et non seulement tout prêt pour combattre, et puis Kounia, ou dit ou gagne toute preuve, tout ça qui gagne. Donc, on a demandé depuis la première fois, côté dossier médical, ça te yé. Est-ce que, M. Davidson, qui souligne avec nous là, Samuel, est-ce que y a une possibilité pour ajouter yon preuve, yon élément? Est-ce qu'on peut ajouter des évidences qui partent là déjà? M. Davidson? Oui. Est-ce que quand on dossier devant la justice et puis commencer à plaider, mon en venir avec des pièces ou bien venir avec des preuves, comment on relève ça? Preuve à conviction, par contre. Sauf que dans le cas n'a pas abordé là, et dans la même instance, dans la première instance, ça n'a pas brisé que c'est mon première accusation. Dans la même première instance, il y a eu l'autre accusation qui vient avec et des preuves. Mais maintenant, on n'est pas au premier instance, on est en appel. En appel, on ne peut pas apporter, on ne peut pas présenter avec de nouvelles pièces. Ok. C'est impossible. Donc, on ne peut pas présenter de nouvelles pièces parce que l'appel va statuer sur l'ordonnance du juge d'instruction et l'appel ne va pas apprécier des nouvelles pièces, des nouveaux faits racontés. Ok. Eh bien, merci. C'est ça, nous avons besoin. On va peut-être l'émission là. Si nous avons besoin, ou quand intervenu à n'importe quel moment. Ok. Merci beaucoup. C'était Maître Benjamin. Samuel, autant de oui là, ça veut dire pas possible pour ajouter de nouvelles pièces. Samuel, parce que n'a fait tout effort nous là pour nous faire vivre événement parce que ok, oui Samy. Yeah, c'est très important, tout le monde d'Anil, c'est pas nous dire, c'est un avocat, son professionnel du domaine, du métier, qui dit lui, selon principe métier, il n'est pas possible pour venir avec de nouvelles pièces, de nouvelles évidences, lorsqu'on Mandé Régie, mettre Benjamin aller. Régie, mettre Benjamin aller déjà, oui, nous quitter les. Mettre Benjamin aller déjà. Zami Sakapreléa, nous dans l'émission, nous pas parler Kounia. Chaque fois, Réléa ou crasé Samuel. Parce que Samuel, c'est ce téléphone qui l'a passé, parce que l'autre système, il n'y a pas passé. Oui, Samuel. Moi, apprécier approche Maître Benjamin, vraiment apprécier ça, et il y a plusieurs lumières qui font tout pour tout le monde comprendre et qu'on est. Bah, petit, mon jeu d'enfant, on a fait ça,
mon enka comprend ni fait ça lui ça quand tête lui ou ben ça va lui faire non il y a tout ton principe pour respecter leur non série de bagaille on va dire au dépôt de ça dans un premier temps après son bouton l'autre ou bien après deux autres bouton l'autre qui picou après trois autres bouton l'autre qui on va même pas on va faire ça on va faire ça et selon maître Benjamin lorsqu'on dossier qui est en cours d'appel on va dans première instance on pas qu'ajouter aucune autre pièce aucune autre évidence après ça et puis gagne un auditeur qui a regardé ou bien un téléspectateur qui sur Facebook qui signale nous question ça demoiselle l'a dit dans témoignage tragique de salle vive de viol là il dit après pasteur a fini violer là 5h du matin ou bien 6h du matin parce que veille de nuit terminée à 5h du matin dans l'église Port-Étoile 5h du matin presque jour après viol là il dit les deux monsieur vini monsieur qui était là qui vini au pour bien et puis pasteur m'elle pousser le bail dit Albin Champan Albin Champan et puis alors téléspectateur a l'internaute là li fait remarque pour dire est-ce que pas de gain pas de gain maxant est-ce que pas de gain en rien parce que demoiselle a dit précisé le dit c'est hein de venir sur ça tout heureusement très bien attendre que t'envoie ça donc venir sur ça t'as sur ça quand il y a viol j'aurais mettre déjà mettre des milliards c'est violation c'est contrainte son mari forcé au monde à faire pas gain commission pas gain compromission pas gain volonté c'est on contrainte monde à faire voir son mineur naturellement pas gain douceur la donne quand il y a viol il y a toujours des traces de sang à cet âge et dans l'âge ça a tout par rapport à ça mais dans l'âge là il y a facilement si tu as un viol ou bien si tu as un viol tu as supposé qu'il y a trace de sang et pendant dit mon Albert facilement mon Albert on a faut avoir max sans sou faut pas on bail quand même et puis deuxièmement si au détripot vous avez dit si c'est tellement ça fait avec violence est-ce que même on joue pas avec les mots on joue pas avec les mots décrypé au critique mon a chiré ou mon a violé ou les frappé ou les blessé ou ça fait avec violence décrypé veut dire que ou gagne maquiré dessous décrypé veut dire que gagne des douleurs à 5h du matin à 7h du matin pas qu'on doute parce que tu as passé pour pas ça dans les yeux et puis l'autre bagarre encore détripé ou veut dire que ou pas qu'à camper. Ça veut dire on adolescent qui fait une victime d'un viol, ben c'est pas oublié non, tout ça passé entre 5h30 parce que il pas 5h non parce que pour le sortir la Kaeli, pour sortir l'église à Delma 19, hein, pour sortir l'église à Delma 19, faut le monter dans 75, il prend un petit temps de 5h, car dans 5h30 presque 6h, il dit il fait clair. Donc si viol là t'as fait dans l'intervalle 5h30 Claude ou bien 6h, ça veut dire les viols là fin fait pour au Albéon. Pensez que ou pas tap kagen d'après moi alors nous pas ajouter non parce que c'est son monde qui vivent bagaille nous pas doit ajouter rien la donne c'est principe métier mais selon bon sens on adolescent qui gon grand monde qui détripé craser la varé sous lit m'bon garanti et non seulement le dit que pasteur mal te bal bon bagaille li pas de gain équilibre donc là lever ou pas gain équilibre donc ou pas ka camper pour bien pour yo bien pensez que il y a quelques remarques quand même après. Bon, on nous quitte ça là. Est-ce que tu as ajouté Claude? Non, et non ça que l'auditrice là, il précisait pour nous, c'est que la montrer que dans la chambre, côté que demoiselle l'a dit, et pasteur Amel violé là, eh bien, t'es gen moun. Si après Aklan, pasteur Amel carré les deux moun, pour le dire, mais maman, tiens, pour ça, et bien, qui donc après Aklan, quand même, faut gen sang. Elle dit, n'a pas parlé de yon. Timoun 16 ans qui poko nan navigation et yo kembe yo violé et quand il s'agit de viol c'est pour bagay qui pral fait même s'il te fait son grand monde depuis c'est viol lié c'est pas c'est pour bagay qui pral fait avec douceur non tout. non avec viol qui force quand même tout bagay et les aklan fin fait non demoiselle pas rete comme ça sans que le pas senti douleur yo qui donc lui suppose aller à l'hôpital rapidement parce que l'absentie douleur et l'absentie douleur après aklan bon, qui donc
En tout cas, pas papa gagne avec Doulbat à l'hôpital parce que il y a une preuve pour combattre pas gagne avec Doulbat à l'hôpital. Oui. Non, mais après ça, il dit automatiquement parce que Amel Finfel, l'imenel, quand il y a l'autre monde qui c'est et Michael. Pour aller finir, reste là. C'est ça, il dit, on a pu essayer d'analyser. Ok. En tout cas, et Samuel. Qui, puisque Fon m'était fait dans l'émission aujourd'hui à la, parce qu'il y a plus de parole toujours pour parler, mais qu'on en pose au contre à la, pour nous parler, ben, le 7-8 novembre 2017, Pasteur Amel Lafleur est allé dans Radio Caraïbe pour le bail en droit de réponse après 6 novembre, et puis il était gagné le journaliste Gélin, qui c'est le directeur des salles de nouvelles de la Radio Caraïbe qui t'est dit directeur Patrick Monsignac qui dit c'est moins que fait et m'a répété selon ça journaliste Gélin et selon ça que accusé a rapporté nous et avocat Maître Rivenier t'est présent et joue ça journaliste Gélin dit non, c'est moi-même qui directeur salle des nouvelles moi assumer responsabilité me prendre responsabilité c'est moins que fait reportage à comme ça même les directeurs ont essayé de poser question qui est-ce qui font qualité bail comme ça sous pasteur sans nous pas contacter lui etc. Eh bien le journaliste Gélin qui c'est le directeur des salles de nouvelles de la Radio Caraïbe t'a dit c'est lui qui fait le comme ça et lui assumé mais Samuel moi j'ai une option moi commence sur ça le directeur de l'information est le chef de l'information est le directeur de l'information de la radio mais la ligne de l'information de la radio, c'est le PDG qui est responsable. La ligne de la radio. Chaque radio qu'on ligne. Radio Changement FM, donc on ligne. On dit que l'information n'est pas venu pour détacher de ligne Radio Changement FM. Là, je me dis Changement FM, c'est que on n'a pas venu dans Radio Changement FM pour la parler d'un dossier ou bien d'un sujet qui n'est pas entré dans la ligne. Que PDG radio a par radio. Avec dans toute radio, le PDG de la radio, il emploie un directeur de l'information pour quimber ligne radio à qui lui-même il gagne. Chaque fois, un directeur de l'information vient, l'État change ligne radio, c'est soit révoqué ou bien blâmé. Ce qui sont fait n'est pas grave. Avec dit que tout ce qui a passé sur radio, en termes d'information, il suppose arrêter dans ligne radio. Et ça fait après que des radios qui ont des informations, on dit what's going on? Est-ce que c'est les journalistes qui ont fait? Le journaliste a fait. Il est un journaliste, il fait son travail. Mais le deuxième chef, c'est le directeur de l'information. Mais le premier chef, c'est celui qui a la ligne de la radio entre les mains. C'est le PDG. Ok. Bon. Non, pas bien sur ça. Au grand jamais, donc vous voulez dire nous au grand jamais, journaliste, le directeur de la salle des nouvelles de la Radio Caraïbe pataka gagné pouvoir pour le fond bail comme ça non okay. ça veut dire que le pouvoir que titre d'information radio changement radio Caraïbe qui dit lui-même lui fait lui assume responsabilité lui prend responsabilité à certes mais responsabilité a pas découlé seulement de lui. Ok. Eh bien, donc voilà, le directeur de la salle des nouvelles, c'est bien Gérin Alexandre. Donc vous voulez me poser nom bien, Gérin Alexandre, c'est le directeur de la salle des nouvelles de la Radio Caraïbe. Et c'était 7-8 novembre, le pasteur Amel Lafleur allait dans Radio Caraïbe. Il dit c'est lui qui fait, il campait d'ailleurs, c'est lui qui choisit orientation ça. Sans le pas chercher, ouais, pasteur Amel Lafleur, il choisit bah, une information comme ça. Que nous pourrions laisser y étendait toujours dans même Radio Caraïbe après un festival qui était gagné c'était festival Vaudou pasteur Amel Lafleur est campé il dit lui-même les six grands festivals Vaudou qu'a fait dans pays a fuck you were avec lui il dit toute radio fait nouvelle la gagner et t'es gagné le journaliste Remaret qui t'a fait déclaration il dit pasteur Amel Lafleur fait une déclaration de guerre la prend guerlain selon ça lui-même, il lui connaît Guerlaye. En nous tendant, ils ont extrait avant l'obèse a pété, en nous tendant qui ça, qui était passé sous Radio Caraïbe encore, avant même que Guerza, avant même que l'obèse a pété, en tendant, Samuel.
Ok, en attendant que direction technique là fait arrangement, Melchior fait arrangement, en attendant que l'équipe joigne nous, on a salué plusieurs amis qui branchaient nous là de partout. Et merci parce qu'ils nous ont branché. Oui, bon, nous pas pral, Samuel, nous connaissons même ou pas dans la logique ça, attaquer moun, c'est pas ça tout. C'est pas ça tout, logique là. Mais bien plus moun kap dit, monsieur Marquez, derrière dossier, Marquez parle là, oui, sur réseaux sociaux, elle dit, son moun ta dit, il y a l'idée de dossier par Samuel. Moi, il est très cool. Moi, il est très cool. En outre des extraits ça de émission Matin Caraïbes côté remarrait t'es fait déclaration ça après Festival Vaudou a été échoué parce que Amel Chita la Kaili dit il a bloqué Festival Vaudou et Festival l'a bloqué vrai monsieur vraiment fâché il dit parce que Amel pas il doit faire déclaration pour le faire mon pas rentrer à qui ça parce que Amel l'a fait gagner est-ce qu'il gagne ligne diplomatique pays africain en Amel est-ce que c'est l'Italie en Afrique pour dire monsieur négocier avec dit pas rentrer qui ça qui fait. Bon, nous-mêmes, nous pas qu'on est, mais de toute façon, le TFIN fait déclaration, hein, en nous tendez. Apporter le ministère de l'équipe plainte pour prétendu pasteur qui est le pasteur Amel Lafley. Qui le peut devant la justice, oui, pour endosser. Et je vais parler avec bouche. On va là, bon, monsieur. Je m'a profité micro ça pour me porter, et chaque monde qui met que yo, je crois que l'État n'a pas quitté n'importe qui message passé. En deux pays, sur les réseaux sociaux ou bien dans les médias traditionnels. Je suis tout le fort. Et en façon de mettre la paix, vous ne devez pas rendre compte à personne. C'est toujours vous-même qui avez attaqué vos doigts. C'est vous qui avez boulé Kaïganga, qui avez boulé Péristyle Mambo. Après 12 janvier 2010. Sous prétexte. Je fait. Sous prétexte, vos doigts c'est diable. Vos doigts encourager diable. Rodou a fait diable avec malin esprit rentrer dans le pays. Et ministère de Kilt, qui n'a pas connu le détail, chaque ministère a fait et a fait étranger toujours, sorti une note très rapidement pour nous demander, pasteur Amel Lafley, présenter esquisse par le peuple haïtien avec Rodou, dans sorti. Les sont fait là, sous festival Vaudou qui t'a fait. Okay. Et nous allons faire preuve de samedi. Oui. Et fatigué. Et n'a pas accouché. Ministère des Cultes, sortons notre rapidement. Présenter excuse by peuple haïtien et by Vaudoua et by moun qui t'a pas organisé festival Vaudoua qui te fait des invitations de grand nègre qui t'a sauté en Afrique qui vient participer dans le festival ça. Monsieur, parce que une parole Amel Lafley lit son déclaration la guerre contre peuple haïtien et contre Vaudoua. Parce que c'est un fou tout. Donc, pas tout. Qui dit fou, qui dit pas fou, Fonge, vous nous faites présenter l'esquisse là. Sinon, m'a mettre en pile mon nom de société ça. On a fermé l'église, monsieur. Pour nous combattre pasteur Amel Lafley à tout monde qui a suivi lui. Et ça, à bon entendre, ça lui, moi-même, l'aime Zombaga, il me fait. Et je ne vais pas oublier pasteur ça, son pasteur qui gagne. Bien calé jacquet. Bien n'a pas accouché, mais n'a pas tourné avec son côté pasteur Amel Lafley. Pasteur Amel Lafley fait un attaque contre le pays ici avec Vaudou. Et parce que nous pour la paix, nous justement le ministère que sorti notre là. Sinon, on n'a pas obligé, mais non guerre contre pasteur Amel Lafley dans le micro ça. Ouais. Très bien, merci. Actrice jeune, ancien député, dame Marie, qui est préoccupé par la situation qui arrive là. Nous connaissons sa femme par une question tornade, situation vraiment difficile pour mon yo. Et livre dit deux mots. Et actrice jeune, comment nous Nous allons attendre, nous allons attendre. Faut il temps, nous allons attendre. Allô. Il y a une guerre qui a mené contre pasteur. Il va là, non. Dans le ça, va dire, dans le micro Caraïbe faible. Faut il temps. Il va là, non. Oui, il va là. Pendant que nous avons de Dubois, nous avons pour dénoncer comportement ça de pasteur.
coup, Gassel. Oui, on nous baille pour l'histoire, mes déclarations. L'église a levé moi ensemble avec moi, il a échoué. Je me levé même sur la Tibonite, je me levé même dans tout le pays. Je me levé même, passé même dans toute frontière pays. Frontière en bas terre, frontière sur la terre, frontière dans l'air, frontière sous la mer, etc. Je me barré. Pas gagné un diable qui a planté dans le pays là. Et me déclaré, ceci va lui avoir échoué. Radio Caraïbes, Radio Guinée, Radio Métropole, Radio Zénith. On prend, et dit monsieur Sayo, avant pour nous aller, faut aller avec. Faut aller avec. Parce que je représente Jésus-Christ. T'es pas ici, comprends-nous? Dans le pays, pas de représentant diable qui a venu, faut jouer avec. Faut jouer. Dit Caraïbes FM, dit Radio Guinée, Festival Diabia Faire, dit Radio Métropole. Faut yon passer sous autre rally pour festival Djabza, festival bagay Womble Vodouza, fête dans le pays, parce que même il vient présenter Jésus-Christ dans le pays, la bloqué festival là. Attendez ça. Faut yon la même. Si vous voulez, vous pouvez rencontrer même dans un pot. Comme la main. On a un peu de temps. Parce que nous n'avons pas d'abgeta pour mal de tout ça, pasteur, qu'on a dénoncé. Quand tout le monde a eu, nous sommes obligés de prendre ça directement dans le radio-reportage là, pour nous venir avec voice côté, côté nègre dit, non, mais quoi ça même, monsieur paye ça. Et après, monsieur lui-même, dans le fait nous tendre, pasteur lui-même, qui a dit que, dit Radio Caraïbe, dit Radio Guinée, dit Radio Métropole, il a chié, il a cap en face, et sous lui, pour tabasser, pour organiser festival et Diabla, et festival Diabla, non, festival Vodou, que les gens pour faire dans le pays. Et si, ils ont ouvert quoi, parce que c'est blague la fait, ils veulent croiser Gagaro, cap sorti, en dehors, l'Afrique, parce qu'elle même, il veut présenter Jésus-Christ sous le pays d'Haïti. Et bien, les gens dit, à dernier rigueur, il y a. Voilà, voilà la question. Samuel, est-ce qu'on l'a? Samuel, ok. Samuel, où là? L'âme, sexe ou sexe. Ok, donc, qui ça, dans la déclaration pasteur Armel Lafleur, qui méritait pour attaquer selon toute rigueur, toute vigueur, qui ça, ouais, déclaration de guerre que pasteur Armel fait contre le peuple haïtien, hein, l'elle dit, pas qu'un diable qui a entré dans le pays. Côté déclaration bon. De guerre, là. Bon, naturellement, il faut fonctionnaliser la déclaration pasteur Armel là. Et quand ce pasteur Armel l'a fait, je ne parle pas de pasteur Armel si c'est une ambiance pour la danse. Ça veut dire que pasteur Armel n'a pas parlé directement au monde, ni en compagnie, ni en gouvernement, ni en organisation. Pasteur Armel fait mention de diable. Le diable n'a pas vu dans le pays. Puisque l'organisation programme, si c'est le monde qui était pour organiser, le diable n'a pas vu organiser parce qu'il faut le jeune monde qui peut organiser. Parce que elle dit, moun sa yo échoué. Elle dit, moun sa yo échoué. Sinon, c'est grand, moun nous ka comprendre, c'est que l'activité diable là, pas faite dans le pays. Mais elle pas attaqué aucun monde personnellement. Et puis tout, est-ce que. Oui, mais d'aller. Ça c'est premier. Oui, on avait dit que déclaration pas. Parce que elle n'a pas allé à l'intention d'aucun monde, d'aucune personnalité, d'aucune personne. Deuxièmement, pasteur Armel fait qu'on est lui-même lycée représentant Jésus-Christ dans le pays. Si y a fond bagaille, c'est sous lui puis au vini. Si on passe sous lui, ou bien c'est à Avel Biodji. Oui, balle la main pour le tester déjà. Balle la main. Jusqu'à présent, pasteur Armel n'a pas parlé avec Nek Capfella. On parle avec Nek Cap organiser l'activité. Il parlait de inviter Cap sortir en Afrique. Si vous avez déjà sous où lycée représentant bon Dieu, fait croisement avec. Croisement avec. Pas même parler de nèg qui a organisé le programme. Nous on a parlé de gros nèg, nèg qui gagne, selon eux même qui gagne pile diable sur yo, des nèg qui ont invité qui a venu dans le programme. Nèg qui gagne pile diable, parce que même dit nèg sont pas patriotes dans le pays,
Je paye rien pour un job. J'ai pas d'accord pour payer à entrer avec les socap mais des jobs dans le pays. Non mais est-ce que c'est est-ce que son coup diplomatique que Pasteur Amel baille, est-ce que c'est traverser le traversé aller en Afrique pour la bloquer, monsieur? Comment le bloquer? Est-ce qu'on a une information de ça? Naturellement, mais il y a un monde qui a pas d'information ça, et Pasteur Amel, qui a pas non, et si ça pour négocier, fait tout, vous êtes par là, Pasteur Amel, comment la fait bloquer? Parce que, est-ce que c'est en Afrique qui va aller pour le dire, pas monter à l'avion? Est-ce que c'est ticket qui va prendre pour bloquer? Est-ce que c'est dans la diplomatie? Pays, ou bien dans le consulat, pays, il va dire qu'ils ne sont pas éligibles pour jouer un passeport. Est-ce que Baldi Nexa ou met plainte? Est-ce que Baldi pose plainte pour Nexa ou Baldi Nexa ou Nexa? Qui fait? Qui ça que t'es fait? Qui fait festival là pas fait? Fait. Et Pasteur Amel te dit tout, son jeu de déclaration, elle te dit l'apnamitan yo, par contre, il y a Kawel. Donc, ça passe là même. On m'en a mis ton et puis il m'a dit, si par contre, il y a Kawel. Naturellement, et si vous n'avez pas demandé Pasteur Amel, posez à Pasteur Amel question, what's going on? Comment faire dire que pas venu et nous voyons que monsieur va venir, voyons que monsieur va entrer dans le pays. En tant que journaliste, même si vous avez la Pasteur Amel, mais si on fait travail métier, vous supposez relier Pasteur Amel à pour une déclaration comme ça. Ouais. Questionnez pour dire, mon cher, vous avez fait une déclaration avant l'organisation du programme, là, vous dites que vous pas entrer dans le pays. Sans que vous n'avez pas d'autorisation, effectivement, nous vivons que monsieur va entrer dans le pays. What's going on? Qui s'est passé? Pas nous, petit détail. Même si Radio Caraïbe a décidé, les pasteurs amènent la fleur, pendant que notre radio qui t'a suivi l'événement, qui est effectivement l'événement bloqué, n'est pas entré, faut qu'on nègre, notre journaliste, notre radio, ou bien un journaliste indépendant, qui t'a supposé faire lumière pour la société, pour dire effectivement, c'est pasteur Amel dédié, Amel Rivé, qui sont faits? Qui sont faits? Est-ce que c'est dans un port où t'as allé ou t'as bloqué les gens depuis en Afrique en personne? Qui sont faits? Est-ce que c'est peut être déposé pour monsieur ou pour rentrer? Est-ce que c'est gon braque qui ou mon nom monsieur qui fait n'arrive pas qu'à rentrer? Qui sont faits? Et ceci jusqu'à présent, meilleur réponse n'est pas sur la belle affaire. Ok. Et si nous voulons qu'on ait qui ça t'est fait, moi-même, je ne peux pas répondre. Et parce que tu amènes la fleur, tu as checké. Et ça, on va le faire. Et parce que tu amènes la fleur, tu as checké. Parce que c'est parce que tu amènes la fleur, tu as fait déclaration en public. C'est parce que tu amènes la fleur, tu as checké, tu as chita. Parce que tu as dit à monsieur, mais qui ça m'était fait? S'il veut même dire qui ça t'est fait. Mais il était en déclaré déjà, il était en dit que ça va être fait. Et c'est après. Mais d'une manière ou d'une autre. Et c'est après. D'une manière ou d'une autre. Ou bien d'aller, Samuel. Oui, d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas quoi, Pasteur Amel t'a froissé aucun monde, selon l'analyse que je fais, parce que dans la déclaration, il n'est pas désigné une déclaration à aucun monde. Dans la première parole, il dit hijab. Deuxième parole, il dit invité, il va venir, il va rentrer dans le pays. Je ne sais pas qui côté, Pasteur Amel, il y a un problème avec le peuple haïtien. D'ailleurs, selon. Analyse nous, s'il dit Djab va entrer dans le pays, c'est passé sous lui. Moi-même, selon l'analyse, moi, si je regarde ça, Djab l'a fait, et me juge, moi, c'est un bagage qui est négatif, Pasteur Amel, font mon bail. Eh bien, et Fon dit tout, non seulement il dit que ça. C'est lui-même bouillouet pour balle la main. Donc, l'on dit, Pasteur Amel l'a fait contre nation. Hein. Contre peuple haïtien, dans qui ça? Ça veut dire ça, tout ça autour, pendant confrère journaliste a dit que, attention, ministère des cultes, l'État haïtien n'a pas quitté n'importe message à diffuser sous les ondes, mais ça, et ça, tout pas d'être diffusé. Parce que son déclaration de guerre. Parce que c'est flou, pas la flou. Parce que bon, bon bagaille, Samuel. Ou pas qu'à utiliser le micro pour combattre le monde. Ça, on pas t'apprendre ni dans la profession. Pas qu'on nous même tout apprendre ni dans la profession. Mais on pas qu'on jamais ou un côté ou dit ou qu'à détruire un monde, ou qu'à attaquer un monde, ou qu'à faire guerre avec un monde à travers le micro. On pas ouais ou t'apprendre nous ça. Non, moi-même tout. Le micro, c'est pour servir. C'est pour informer, c'est pour transformer. Je ne sais pas si c'est pour détruire le monde. Mais, t'as semblé que ça a changé là.
et fond du tout, c'est après déclaration ça, toute l'obéis a été pété. Ou gade ouais, déclaration à faire, dossier que t'es dans l'État, dans la justice a monté, c'est après déclaration de Gaza. Et naturellement, il y a une bagaille que moi juge qui est vraiment négatif dans la déclaration journaliste Romaret. On peut pas dire comme ça que mettons avec avec mon société pour combattre en personnalité. Oui, qui est utile, qui est utile en société. Bon, même ouais, si mal utile société, je peux penser que c'est pour ça mais la fleur prend, bah ça aussi là, bah ça. M'a parlé de whatever moon. On peut pas dire bon mettez en société pour combattre en moon. Comment on monde pour qui ça? Qui le monde là? Il n'est pas une personnalité publique. Il n'est pas une personnalité d'État. Il n'est pas un président. Il n'est pas un sénateur. Il n'est pas un député. Il n'est pas un délégué de ville. Il n'est pas un monde politiquement qui gagne des. Il n'est pas un monde politiquement qui gagne des. Comment on te dit moi? Qui ont un poste politique. Oui, qui ont poids sur société. Il n'y a pas de monde politiquement qui ont poids sur la société. Pasteur Amel Lafleur qui a poids sur société à travers l'évangile, à travers moralité, à travers intégrité. Mais soit prend des caractéristiques qui font le poids sur société, ou pas prendre la société ça encore, ou pas prendre face. Ouais. Ça fait ça. Non, est-ce que c'est pas tout ça, c'est y a entré dans quatre diffamations, ou va le déformer des informations, ou va le fond Jean pour déformer et puis pour blaser un tel et puis pour faire pour combattre lui à la société, à, mais c'est ça oui. Là chaque grain monde rencontre qu'on y a ou parler de pasteur Abel, il pas qu'à déjà qu'il a. Et puis il soit suivre intervention journaliste, bon on t'a parlé de ça, bon l'autre journaliste qui en background qui dit et fond dit monsieur gon dossier dans la justice, son cas déjà qu'il. Est-ce que avoir un dossier dans la justice, fait le monde, non, on a déjà qu'un pour ça. Non, au deuxième magasin encore, ou pas qu'on journaliste, c'est pour confirmer, oui. Ou affirmer, ou dire qu'a déjà qu'un, c'est un titre. Ouais. L'autre, on a déjà qu'un, son titre, il est société. Là. Est-ce que journaliste là, gagne droit ça? Est-ce qu'il gagne droit ça pour un petit pasteur, mais son cas déjà qu'un, tandis que, il y a un dossier dans la justice, ouais. Pour affirmer, pour confirmer rien, la justice c'est dans le processus sous dossier A, la justice pour dire rien sous dossier A, d'ailleurs, Maître Benjamin sur Dinosa, qui t'a sorti ça, pourquoi même gagner plaidoirie autour du dossier? Imaginez, pourquoi même gagner plaidoirie autour d'un dossier? Pourquoi gagner plaidoirie autour d'un dossier qui guettant prend le monde? Tout le monde reconnaît Pasteur Amel comme gars déjà. Tout le monde a dit qu'il est pris au mari avec ça. Il y a des gens qui ont pris les gens qui disent qu'il y a autant de Pasteur Amel dans la prison, il y a autant de Pasteur Amel dans le marron, il y a autant de Pasteur Amel dans ceci. Il y a un paquet de vieilles informations qui ont circulé pendant que le personnage là en bonne santé selon ça nous parle avec. Puis le monde dit Pasteur Amel pas bien même. Il dit qu'il est dans le coin. Il y a des gens qui rencontrent avec qui presque mourent. Il a dit comme ça. Est-ce que c'est vrai selon l'information que nous-mêmes nous avons gagné? Est-ce que nous connaissons que Pasteur Amel dans la prison? Est-ce que nous connaissons que yo mari le vrai? On pas qu'être parole alors que son dossier qui devant la justice qui peut même gagner plaidoirie. C'est une campagne de destruction de la moralité du personnage. Avec dit que c'est Pasteur Amel a crasé moral. Ça fait partie de combat. Combat mené contre. On n'a pas seulement physique, mais on a gagné moralité. Okay. Personnalité morale là. Mon nom c'est Akuril, c'est Batil. Parce que la physique là, physiquement, on grandit, on grandit, on vient plus grand, yeux, en pile le marin encore transformé, société, on vient tété, on vient si, on vient si, là, mais il n'y a pas seulement ça, il y a aussi la personnalité de morale. Personnalité morale là, c'est bâti ou bâti ça. Mm-hmm. C'est bâti ou bâti ça. Mm-hmm. On prend des années pour bâtir personnalité morale. Mais ça, monsieur a fait là, les journalistes de la radio Caraïbe, je me dis Radio Caraïbe, je ne vais pas citer l'autre radio, c'est juste pour me dire que, à ma connaissance, par contre, si me fait erreur à corriger, Pasteur Raphaël, dans le deuxième épisode de l'OCA, je ne vais pas attendre l'autre journaliste. Je ne vais pas attendre l'autre journaliste, l'autre radio qui parle autour de ce dossier. Je ne vais pas attendre pièce journaliste, analyste. Pas tant des pièges journalistes enquêteurs, pas tant des pièges journalistes psychologues, pas tant des pièges journalistes sociologues, pas tant des pièges journalistes qui responsables des humains, pas tant des pièges directeurs de médias, pas tant des pièges directeurs d'opinion, pas
pas des pièces de l'information, je pas des pièces reporters parler de dossier ça à part de radio Caraïbes. Ça, en tant que journaliste, je devais prendre temps pour me détendre. Mais après plusieurs semaines, il n'y a aucun autre journaliste qui parle de ça. Sauf que nous venons d'entendre un journaliste Morvan, il y a quelques jours, qui parlait de ça. Et ceci, ça frassement pile, il frassement pile. Ouais, pour métier. Et à quel niveau, Raphaël, nous arrivons qu'on y a. Alors je sais que tu es attristé, c'est surtout par amour de ce métier. Donc on aurait aimé métier profession de journalisme et ça ou même on dit pas by vague. Est-ce que c'est du bon anglais? You love it. Non, moi même les on fait bien. Ouais. Donc, chaque métier gagne de l'ontologie. Médecin gagne de l'ontologie, les langage, les slogan, les déjà bon l'équipe d'ontologie l'équipe façon pour entrer dans le métier l'équipe façon pour faire ce métier mais pour que ça monsieur n'a choisi faire métier comme ça moi même dans micro ça m'a profité les radios bon une minute pour me les radios blairer les radios de Télé Caraïbes blairer les radios Vision 2000 blairer les radios Métropole Radio Mécastar Radio SCH 2000 Radio Lumière Radio La Voix de l'Évangile Radio Télé-Guinée, Radio Kiskeya, Radio Scoop FM, Zénith, Signal FM, Radio One, Alléluia FM, Radio Superstar, RFM, Radio Solidarité, Radio Soleil, Radio Timoun, Shalom, encore pilote radio encore, monsieur, comptez nous y est. Est-ce que on nous ferme? En tant que directeur d'opinion, en tant que responsable de médias, c'est un directeur de médias que yon l'autre média attaqué et parce que pas gain des vraiment des preuves puisque nous t'attendez la journaliste qui dit lui-même avec micro l'a attaqué pasteur Amel l'a fait à tout le monde qui a accroché à l'évangélia et pour combattre yo et gain yon nan journaliste qui dit en bas jusqu'à ce qu'il arrive fermer l'église là oui. Pour qui ça parce que Et on dit ça, bouche, nous tendez, nous tendez, jusqu'à ce qu'il puisse fermer. Il a dit, objectif propagande ça, sale taka s'assembler, c'est non seulement attaquer moralité pasteur Amel Lafleur, avec toute équipe li, qu'on est alors sous son pasteur dans la mission pasteur Amel Lafleur, m'a quoi qu'on pasteur ka, si ou pas gen audace ou ka prêcher l'évangile. Parce que l'on parle par le prébat, il y aura les devants. Sous pas gagner audace l'évangile pour qu'on est qui est ce qui personnage là pour pas il va pas déjà que il va pas se cas déjà que ou même tout yo dit mais son petit cas déjà que donc c'est non seulement pour pas gagner bien lancé oui non seulement pour pas gagner bien lancé qu'on y a là si gon moun kap tande on moun kap gade ki te anvi vin nan l'évangile la imagine ou gon parent ki doit gen petit dit ah et kon sa va la et là et moi ma ti moun 16 ans nan et moi même ki gen ti petit film ki gen 15 ans et ti cousine ki nan même nan c'est comme si ou senti gagnen yon campagne de dévalorisation à un moun ki gen 40 ans dans pays donc nous même en tant que journaliste faut que nous camper pour nous prendre position pour nous dire même si on moun ta gon problème et puis n'oubliez surtout pas Samuel Pasteur Amel Lafleur, PDG de TFOM chaîne 48 de Radio Changement, est membre de la NMH, qui c'est Association Nationale des Médias Haïtiens, qui gagne la donne pile gros média, pas gagne yon directeur média qui relaye Pasteur Amel pour dire tendez, on va avec Caraïbes blague sous ça qui passe. Donc est-ce que c'est parce que Caraïbes est tellement puissant, personne directeur média pas voulu. Est-ce que Caraïbes se fait représenter comme étant journaliste formé dans les autres médias? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres possibilités pour parler, pour discuter, pour analyser quelques dossiers? Est-ce qu'il n'y a pas de possibilités? Est-ce que ce serait un Caraïbes qui a
Est-ce que depuis Caraïbes fin de bagarre, il représente journalisme là, il représente toutes médias, nous-mêmes derrière nous pas qu'à contredire pour nous dire non Caraïbes ou pas gain droit faire ça, c'est un média comme toute média, il dépenser pour le construire carrière, personne monde pas détruire Caraïbes, personne monde pas qu'à dire il pas utile, mais est-ce que Caraïbes aussi gain droit à détruire l'autre avec Nicole? Parce que l'État prétend que depuis ces ligues de parole, tout le monde a marché derrière elle. Est-ce que ça t'a dit que ça comme ça, Samuel? Non, il n'est pas obligé comme ça. Il n'est pas obligé comme ça. La Radio Caraïbe est une radio comme toute autre radio, comme Radio Changement FM, comme Radio Métropole, comme Radio Megastar. Il y a une seule différence. Radio Caraïbe, j'ai dit là, son radio qui fait non, son radio son patronne, qui l'a longtemps, son radio qui fait non, qui est cultivé, mais qui build, qui construit en pile dans la société. Mais il n'y a pas de média plus que la déontologie du métier. Par contre, média qui cap aller plus haut que principe métier. Mm-hmm. Qui dit des radios métropole, qui dit des radios changement FM, qui dit des forêts, qui dit des radios Caraïbes. De pour respecter le principe métier, pour suspendre la radio. Yeah. Pour suspendre la radio. Vous voulez que vous entendez ça bien? De pour respecter le principe métier, pour suspendre la radio. Même genre docteur, ou de respecter le principe métier, pour suspendre le métier, prendre licence. Mm-hmm. D'accord, papier. Mais en radio, de respecter le principe radio, principe métier, les suspendre la radio. C'est pour tout qu'on voit et comprendre que radio qui arrive dans ce moment-là, les suspendre la radio. Ouais, parce que gon ligne au bail pour dire que en radio existait. D'ailleurs, source d'information, hein, li important, source de l'information, faut apprendre vérifier sur gagnement. Et puis au grand jamais, pas jamais gagner yon monde yo bail droit de pour gagner micro nan mon pour attaquer qui que ce soit, pour éliminer qui que ce soit, pour anéantir qui que ce soit. Donc pendant la pandé pour pas Samuel rentrer quelques paroles, mais est-ce qu'il pas ta bon tout? Gien en pile parole k'ap dit. Je dis à la qui t'a mérité pour rentrer. Bon, en tout cas. Et ça... si vous t'a fait ce pat, vous nous t'a fini, sous yon émission que nous t'attendez, moi, c'est yon frère haïtien, yon citoyen haïtien qui te gagne madame ni yon kidnappé, et qui t'a dans l'émission que Bob C t'a pas animé. Et puis, monsieur vient me parler, vient me dire que, mais ça passe, mais yon kidnappé madame, tel. Je viens là, comme il t'a donné, je connais Radio Caraïbes, son radio, puis le monde tombé. Je viens chercher un recours. Et à mes propres yeux, et à mes propres oreilles, je m'attendais, Bob Sikap dit, ah mon cher, ça dévalorise la valeur citoyenne. Je me dis, les bons, ça, mon cher, madame. Et moi, madame, mon activité là, la prends outil, l'activité qu'on y a là. Depuis 3 mois, depuis 3 semaines, mon cher, madame, mon cher, femme. Wow! C'est comme si Et pas seulement dossier pasteur Amel là. Et pas seulement dossier pasteur Amel là. J'ai suivi la Radio Caraïbe tout le temps. Mais au monde qui sait où dit on va parler pour lui, où doit servir le micro. Pour venir comme étant au monde qui vient chercher un recours. Et puis c'est comme ça ou traiter comme dit madame les comme ça dans activité. Et on regarde figuier citoyen qui pas qu'à dire rien. Malgré le journaliste dit monsieur, on peut pas faire ça comme ça, mon cher. Les camps et l'abdil. Non, monsieur Bob, c'est il dit salve dans le micro. C'est pas un écho qu'a corrigé, toujours à suivre ça. Il y a plusieurs autres journalistes, il y a Pierre Rodel, il y a Guerrier Dieu seul, qui c'est PDG de Radio Métronome de Jacques Mel. Monsieur Sao toujours go litige, monsieur. Depuis qu'elle a envie de parler, c'est bal parler. C'est comme si depuis le film de son parole, tout le monde doit plier en balle. Seulement, faut que nous fassions amis en songer que métier là pas appliqué à l'igon ligne, l'igon principe. Il n'y a pas bon droit d'y sauver, mais le bon droit d'y sauver vérifier. Il n'y a pas bon droit parler jongler, mais le bon droit parler ça ou t'es traité. Sorti chita. En tout cas, Samuel. Pour l'histoire et pour le monde, nous avons réalisé cette émission. Merci à Claude Dieffen pour ce reportage. Et merci aussi à Maître Davidson Benjamin et Samuel Lakotouya. D'après-midi, recevoir un dernier mot. Maka recevoir un auditeur
téléphone dans ce type crasé là, ben pas recevoir qu'un auditeur parce que c'était juste pour faire le point sous dossier ça et que chaque monde qui a regardé ou même la CAO fait analyse, mettez jugement dehors pour capable comprendre. D'ailleurs, nous pas même pour troisième reportage là, même Samuel, nous pas même gâter pour troisième reportage là, mais de toute façon, je pense que le tri a été fait, ça pour dire à Lydie. En dernier mot, un mot spécial, c'est que ça le tapis Samuel. Dernier mot, m'a dit, moi, merci, ou même moi, Raphaël et toute l'équipe qui était pour un petit temps pour nous parler sur ça. Et franchement, je me sentis soulagé parce que j'ai envie de parler. Il y a quelques semaines de ça, ma psy, mais je n'ai pas encore fini. Je n'ai pas encore terminé. Donc, il y a un pile route pour nous faire en tant que journaliste et en tant que mon gars respecter principe métier. Et nous avons jusqu'à la fin pour nous faire respecter métier. Et même si nous-mêmes nous avons fait erreur, quand on a monté sur les ondes, on dit Samuel, Pasteur Raphaël, nous t'es mal. Corriger ça. Pour nous monter, nous avons dit nous corriger, nous m'a donné le badon. Parce que l'objectif là qui s'est allé, c'est travail pour nous faire vieux monde, pour nous faire métier respectable. Parce que c'est un métier noble. Bon, merci à tout le monde qui t'a écouté, tout le monde qui t'a suivi. C'était un plaisir pour nous être là avec nous. Toujours ouvert genoux, calé genoux et penser bien. L'homme vient de son oreille, pas courir agir. L'homme dit chiant bas sur Facebook, pas courir la gueule, tendez-le. Et même si vous êtes un journaliste, mais cultivez le sentiment de journaliste. Essayez de vérifier sous cela avant ou partagez l'information que vous voulez. Bah, merci à Raphaël, merci à Régis, merci à toute télévision, merci à tout le monde qui t'a gardé, qui t'a suivi l'émission. Merci. Voilà pour l'histoire et pour le monde. Et merci, amis. C'était une émission vraiment classée. En pile, les amis, t'apprennent ça. Merci parce que vous êtes de loin. Vous avez essayé de rentrer ou pas capable. Même qu'on a été en pile monde qui a regardé. Pour les amis YouTube, vous n'avez pas joué après. Alors, si vous avez l'autre arrangement qui vous fait, mais pour les amis Facebook, yo, nous sommes certains que vous n'avez pas apprendre, vous attendez et vous prenez position. Donc, nous souhaitons continuer. Quoi dans la justice, d'abord la justice de Dieu, moi-même en tant que pasteur journaliste, parce que pasteur a un rôle aussi, en tant que pasteur et journaliste, quoi dans la justice de Dieu d'abord, même quoi dans la justice pays, et quoi dans tout ça qu'a fait. D'ailleurs, nous-mêmes, nous autres comme pasteurs, si nous ouvrons parenthèse pour nous autres comme pasteurs, nous quoi dans encadrer monde, nous quoi dans aider monde, nous quoi dans permettre que jeunes filles grandissent avec pudeur, yo, avec dignité, yo, avec respect. Yo. D'ailleurs, dans une autre émission, je pensais que Samuel a partagé l'autre bagarre avec nous parce que l'émission a été vraiment intéressante. Nous prenons l'heure de la prière, nous prenons l'heure sous éco-changement et nous prenons sous émission sport. Monsieur Sport, qui l'a déjà. Et je vous dis, nous connaissons une compétition d'Europe là qui doit commencer. Eh bien, nous souhaitons déjà rester connectés sous TFOREF chaîne 48 et nous saluer équipe technique télévision hein, qui fait un bon travail. Monsieur Junior, Cadet et Valérie et équipe là au grand complet, Zamor et l'ingénieur Zamor, et puis pour Radio Changement nous gagnons Melchior et sans oublier Claude Dieufaine qui t'a rejoint nous pour une série d'informations sous reportage. Merci encore et à la prochaine. Abandonné. Abandonné, abandonné, oui.
Papa,